Voilà, il est 10 h, donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième session de la journée technique sur la réhabilitation des cours d'eau urbains. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je suis Evelyne Montagnon. Donc, moi, je suis chargée de mission à l'ARA, l'association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, moi, je suis sur la partie l'antenne auvergnate. On vous remercie chaleureusement pour votre participation et on est ravis de vous accueillir pour cette rencontre. Donc, au programme d'aujourd'hui, Thierry Métraux, directeur de l'agence ATM sur Paris, va nous présenter des retours d'expérience qui témoignent de l'importance des approches transversales et multi-acteurs dans ce genre de projet de réhabilitation de cours d'eau en milieu urbain. Et c'est ensuite Stéphane Guérin, qui est directeur du syndicat d'aménagement et de gestion de Liseron, du Ratier et de Charbonnières, qui va nous présenter deux retours d'expérience sur l'Isrou, qui sont des projets qui partent tous les deux plutôt d'une entrée hydraulique et qui ont évolué vers une restauration de milieu et de façon plus globale vers une évolution d'un quartier et de son cadre de vie. Voilà, donc à la fin de chacune de ces deux interventions, on prendra environ un quart d'heure de temps d'échange pendant lequel vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Et du coup, voilà, comme hier, juste je vous représente les règles pour ceux qui n'étaient pas là. Avant de commencer, pensez bien à vous renommer. Donc, dans l'onglet participants, un petit clic droit sur votre nom actuel et puis notez votre prénom, votre nom et votre structure. Pendant les interventions, pensez bien à couper votre micro pour ne pas faire d'interférence. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet Converser ou Chat, donc par écrit. Martin Bay, qui m'accompagne aujourd'hui, relaiera vos questions en fait aux intervenants pendant les temps d'échange. Et sinon, pendant ces temps d'échange, vous serez amené à, vous pouvez bien sûr prendre la parole quand vous le souhaitez pour poser vos questions aux intervenants. Et pour cela, on vous propose de lever la main. C'est la petite main bleue qui est Vous cliquez aussi sur l'onglet participants. Tout en bas de la liste des participants, vous avez cette icône main bleue. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Si jamais vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à le marquer dans l'onglet du chat et puis on vous donnera la parole. Voilà, pour finir, je vous informe. Donc, ce webinaire, il est enregistré. Donc, merci de veiller à activer vos caméras pendant les temps des interventions. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à laisser la parole au premier intervenant qui est Thierry Métraux et à vous souhaiter une bonne matinée. Voilà, donc Thierry, je te laisse partager ton écran. Bonjour. Alors, attendez, je déplace les petits. Voilà. Bonjour, donc je vais vous parler de la reconquête des cours d'eau en milieu urbain. Et la nécessité, lorsque c'est en milieu urbain, justement, d'avoir une approche très transversale et pas qu'une approche sur le cours d'eau en tant que tel. Mince. Le premier projet que je vais vous montrer, que je vous présente, c'est la renaturation d'un rue urbain en Île-de-France, c'est le rue d'Arras. Donc un rue qui est à cheval sur le Val-d'Oise et sur la Seine-Saint-Denis. Et la méthodologie qui a été développée, c'est d'abord de faire un diagnostic assez large, aussi bien institutionnel que renaturation, que urbain, que paysager. Et pour aboutir à une sorte de plan guide par la suite qu'il a fallu partager avec les acteurs et de développer ce plan guide avec des scénarios de renaturation différentes en fonction de tronçons homogènes. Hop, pardon. Voilà. Le diagnostic dans son ensemble. C'était donc de travailler sur l'aspect institutionnel, réglementaire, l'histoire du rue, c'est fondamental, l'identification aussi des enjeux urbains et paysagers, l'identification des enjeux environnementaux, et puis l'analyse bien évidemment topographique, hydrologique, hydromorphologique et hydraulique du cours d'eau en milieu urbain. Souvent les cours d'eau en milieu urbain, ce sont aussi
des émissaires, des réseaux d'assainissement. Et donc, en fait, on ne peut pas dissocier, si on veut en plus que le projet soit aussi porté par les acteurs, notamment les acteurs de l'eau locaux, on a plutôt intérêt aussi à aborder avec eux toutes ces questions-là. Sur les acteurs pour cette étude, ils étaient assez multiples, puisqu'on a aussi bien les syndicats de cours d'eau, hein, le CIARD en 95, la DEA 93, la Direction de l'eau et l'assainissement du 93. Donc, vous voyez, ce n'est pas un syndicat de rivière, c'est une direction de l'eau et de l'assainissement. Plaine-Vallée, qui est une communauté d'agglo, une intercommunalité, Plaine-Commune, une autre intercommunalité, plus les communes en tant que telles, puisqu'en fait, on travaille sur leur territoire, et donc c'est important, même s'il y a des intercommunalités, de créer, d'aborder tous les projets avec eux, et notamment les élus. L'Agence des espaces verts, là, c'est la région Île-de-France, donc on est sur une autre strate encore, et puis évidemment, la police de l'eau. Là, en l'occurrence, comme le projet est à cheval sur deux départements, se poser la question de quelle police de l'eau, est-ce que c'est celle du 93, est-ce que c'est celle du 95, si c'est celle du 93, c'est dans ce cas-là la DRIE qui sera impliquée. Voilà, et puis aussi les conseils départementaux, notamment celui du Val d'Oise, qui a tout un volet sur la notion du suivi des zones humides. Donc, l'identification des enjeux institutionnels et réglementaires, c'est même carrément ce qu'on fait au début, et surtout ce qui était très important sur le RUDARA, c'est d'identifier la gouvernance, parce que c'est une gouvernance très, très compliquée, puisqu'en réalité, dedans se met en place différents territoires, différents départements, différents usages, puisqu'en fait, c'est un usage de cours d'eau, mais c'est aussi un maillon d'une gestion du pluvial du territoire, donc ça met en place d'autres acteurs, et se pose la question du coup de quelle gestion. Comment aborder la question de la pérennité du cours d'eau par la suite dans le cadre du projet, mais après, mais même d'ailleurs avant même de faire le projet, puisqu'en fait, faire le projet sur un cours d'eau permet de valoriser le cours d'eau et de parler de ce cours d'eau, parce que bien souvent, il est ignoré. Donc, en fait, enlever cette ignorance veut dire poser les questions, et notamment qui fait quoi, quand, comment. Donc, c'est toutes ces questions qui sont importantes à aborder dans la phase même diagnostique. Donc, les enjeux sur le RUDARA, c'était d'intégrer, donc, en fait, de voir dans quelle mesure c'était une rivière qui était intéressante à renaturer. Et en fait, on voit bien que c'était une rivière sur laquelle, enfin, un RU sur lequel il fallait qu'on se pose des questions, ou bien en réalité, en fait, l'enjeu, c'était ça, hein, très clairement, ou bien on ignore totalement le cours d'eau, et dans ce cas-là, on assume le fait qu'il petit à petit qu'il disparaisse, ou bien on se donne les moyens de le renaturer et de le rendre avec une vraie existence. Et en fait, le RUDARA, c'est une rivière qui était très en danger, on le voit sur les photos, avec des débits d'ailleurs très faibles, parce qu'il y a des bypasses à l'amont qui fait qu'on a un débit de temps sec qui est très disparate et surtout qui est parfois trop faible. On a donc un lit qui est complètement abandonné, délaissé, une rive piscive qui n'existe plus, mais en même temps, il y a de fortes potentialités, puisqu'en fait, en amont, le RU est très préservé. En aval, il y a une vraie demande de renaturation, même si là, il est beaucoup plus dégradé. Et donc, il y a tout un élément de patrimoine du cours d'eau qui sont importantes à intégrer, notamment dans les projets urbains. Donc, en fait, il avait été identifié, ce RUDARA, comme un atout pour son territoire. C'est sûr qu'en milieu urbain, aujourd'hui, quand on peut commencer à aborder la question de patrimoine, et le cours d'eau fait partie du patrimoine, le fait de le réhabiliter, même d'en parler et d'aborder son tracé, eh bien, ça permet d'intégrer des éléments de patrimoine dans le projet urbain, enfin dans les éventuels projets urbains, mais tout simplement déjà dans le récit qu'on a de la ville,
de l'espace urbain, et c'est assez fondamental aujourd'hui dans certains endroits pour être support de, ou bien support d'un discours politique, mais aussi d'un discours, d'un support d'un projet d'aménagement. Et d'ailleurs, c'est souvent grâce à ce projet d'aménagement qu'on va pouvoir lancer les projets de renaturation du cours d'eau. Donc, les intentions de projet, ben, c'est aussi bien une restauration écologique du cours d'eau, hein, clairement, donc avec la découverte pour les parties qui ont été busées, rehaussement du lit, reméandrage du lit avec une renaturation. Alors, on a proposé différents scénarios, renaturation simple ou poussée, pour à chaque fois essayer de pousser les limites, parce que c'est toujours un peu comme ça en milieu urbain. Revégétaliser et puis évidemment parler de tout ce qui est les entrants, le bassin versant et notamment la notion de pollution de ce bassin versant. Et puis travailler aussi, et ça a été un élément très important, si on intégrait les bassins de retenue qui existaient sur ce tracé, ça permettait aussi, vous en voyez un d'ailleurs sur la photo du milieu, ça permettait d'aborder, déjà de trouver des acteurs forts pour porter des premiers tronçons de renaturation et de faire des phénomènes de boule de neige, en fait, de commencer certains tronçons, sachant que tout le linéaire, c'est une dizaine de kilomètres à peu près, le rue d'Arras. Alors, évidemment, intégrer tout ce qui renaturation écologique, mais avec tout en intégrant un fonctionnement urbain déjà existant, qui a souvent d'ailleurs complètement ignoré le cours d'eau. Et donc, il va falloir préserver ses usages, voire en proposer d'autres, ne pas faire en sorte que la rivière soit parfois un obstacle à ce fonctionnement urbain. Et voilà, donc... c'est ça qui va impliquer en réalité de travailler avec une multitude d'acteurs et de façon très pédagogique. Évidemment, autre point, parce que j'en parlerai plutôt à la fin, mais c'est sans accroître les problématiques d'inondation pour les riverains. Bien souvent, ces rivières ont été busées, canalisées pour des problèmes d'inondation d'ailleurs, pour des problèmes aussi de pollution. Et donc, là, l'idée, c'est de retravailler. Et là encore, il faut une pédagogie, même non seulement auprès des riverains, mais aussi auprès des équipes de la maîtrise d'ouvrage, hein, des élus aussi, sur c'est quoi un cours d'eau et comment en quoi la renaturation va avoir un impact plutôt positif sur l'inondation, mais qu'en même temps, l'inondation fait partie du cours d'eau. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on aborde ces questions-là? Par la suite, donc, on a réalisé un plan guide avec les grands aspects du projet. Donc, intégrer le rue d'Arras comme étant support de biodiversité, mais aussi support d'une urbanité. Et c'est tout l'enjeu des rivières urbaines, hein, pouvoir créer de la biodiversité, des séquences plus naturelles, des séquences de renaturation et puis des séquences plus urbaines avec des usages, avec une interface population, cours d'eau plus importante, mais assumée. La reconquête du rue, c'est aussi la découverte des tronçons, sortir le rue du tuyau, du canal, et donc mettre l'eau à ciel ouvert. Voilà, donc ça, c'est tous les tronçons... sur lequel nous avons focalisé sur sa découverte et sa renaturation, en intégrant évidemment le fait de reméandrer ce cours d'eau et lui redonner ses méandres intrinsèques, en quelque sorte. Recréer une ripisylve, ça c'est fondamental, parce qu'à certains endroits elle existait encore, à d'autres endroits elle n'y était plus du tout. Cette ripisylve, bien évidemment, c'était aussi de la rattacher à tout le travail de trame verte et bleue qui était fait par ailleurs. Ça contribue bien évidemment aussi à l'amélioration du cours d'eau, mais c'est aussi bien évidemment
Le fondement, c'est la biodiversité et c'est la renaturation du cours d'eau, mais c'est aussi un marqueur urbain, cette ripisylve. En fait, la rivière, du coup, on peut la voir, elle peut être un élément, un signal dans cette ville. Souvent, la rivière se voit grâce à la ripisylve, en fait. Bon, ça, c'est l'intégration dans l'intrame verte et bleue, ce qui va permettre aussi de parler à d'autres acteurs, ce qui va permettre aussi d'avoir des financements, ce qui va, voilà, toute une série. Et notamment, là, pour le coup, ça va être avec la région que les discussions vont avoir lieu sur cette trame verte et bleue. Donc, je le disais tout à l'heure, les bassins, c'est comme un levier d'action pour commencer à reconquérir ce cours d'eau et à le renaturer, avec les difficultés que c'est aussi, ce sont aussi des bassins de retenue. Et donc, parce qu'en réalité, ce cours d'eau aujourd'hui, il a été canalisé, il reçoit le système des eaux pluviales. Et donc, il ne reçoit pas forcément ses débits initiaux à l'amont. Voilà, donc il est régulé. Et en plus, il est fait sur des... Et en fait, les bassins sont sur le cours d'eau en tant que tel, ce qui est quand même un vrai souci, malgré tout. Mais en même temps, quand on travaille sur cette renaturation, on est toujours un peu en train de négocier. On est toujours dans du compromis et de la négociation. Ces bassins, c'est aussi des opportunités, c'est des grands espaces dans la ville. Et il y a des acteurs qui ont des moyens financiers, en tout cas plus de moyens financiers que d'autres. Et du coup, on peut aborder la question quand même, une certaine renaturation dans ces espaces. Il y a aussi un élément très important qui était de voir dans quelle mesure le cours d'eau permettait de retourner la ville vers le cours d'eau, sachant que j'en reparlerai par la suite, mais pendant la totalité du XXe siècle, les cours d'eau ont vraiment été souvent fuis, souvent ignorés, souvent d'ailleurs couverts, et les villes se sont complètement détournées, en fait, ont tourné le dos à ces cours d'eau. En réalité, retravailler le cours d'eau en milieu urbain, ça veut dire, quelque part, retravailler le tissu urbain aussi au regard du cours d'eau. Et ça ajoute aussi très largement, d'ailleurs, des coûts à la problématique de renaturation des cours d'eau. C'est pour ça qu'il faut aussi intégrer dans la démarche, et c'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic extrêmement transversal et pluridisciplinaire et multi-acteur, c'est qu'en fait... il faut trouver et fédérer autour du cours d'eau d'autres opérations quelque part qui vont permettre d'amener ça, qui vont permettre d'amener du financement, mais qui vont permettre d'accompagner par l'urbanisme, par la ville, ces problématiques de renaturation et ces projets de renaturation. Donc oui, je parlais tout à l'heure, mais c'est le russe, enfin, nous, ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, c'est de positionner aussi le Rudara comme étant un élément de patrimoine qui allait fédérer des territoires. Parce qu'en fait, on est face à des territoires extrêmement différents. Le Val d'Oise, déjà politiquement, Val d'Oise, politiquement et historiquement, Val d'Oise et Seine-Saint-Denis n'avaient très, très peu de rapports. Et d'ailleurs, le cours d'eau fait la limite des deux départements et qui fait que, du coup, personne ne s'en est vraiment occupé. C'était vraiment la frontière. Et en même temps, poser la question du patrimoine, c'est déjà poser la question de quelque chose qui va se partager. C'est-à-dire que le regard de l'habitant de Vultaneuse sur le Rudara, eh bien, ce n'est pas forcément le même que celui de Groslay à l'amont, qui est plus rural. Mais en même temps, c'est la même rivière. Donc, si on arrive à créer cette linéarité, cette culture du cours d'eau, et de retrouver ces traces d'ailleurs, hein, comme vous voyez le petit seau, la Vultaneuse, qui est un ancien élément très vraisemblablement de ripisylve du Rudara, et bien petit à petit on arrive à lui donner une présence sur ce territoire alors qu'il a été très longtemps absent. Et donc quelque part d'arriver à fédérer autour de ça non seulement les habitants mais aussi des acteurs autour de ce cours d'eau. Ça permet aussi d'aborder la question de l'identité d'un site et du patrimoine comme support aussi de cette urbanité, en fait. De pas déconnecter le cours d'eau de l'urbanité, mais bien au contraire, par le,
par cette dimension patrimoniale de l'intégrer dans la ville. Et puis faire en sorte que ce cours d'eau, ce soit certes qui puisse porter les usages déjà existants, mais qui puisse aussi porter d'autres usages. Avec là encore des séquences qui sont peut-être moins d'usage, des séquences avec plus d'usage, pour avoir des poches de biodiversité plus importantes à certains endroits, et puis des poches moins importantes, mais avec plus d'usage à d'autres endroits. Travailler aussi sur les liens. En fait, un cours d'eau comme ça, c'est surtout des transversales. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut aborder ces transversales? Le cours d'eau, on le voit grâce aux transversales. Souvent, le cours d'eau, on voit la berge d'en face. On voit, mais comment est-ce qu'on aborde ces questions des vues, des visibilités, des liaisons transversales? Avec le fait aussi que ces liaisons, d'ailleurs, transversales peuvent coûter. Et voilà. Et donc, en milieu urbain, on en a souvent... souvent besoin. Et suite à ce plan guide, on a commencé à travailler sur des tronçons. Enfin, on n'a pas commencé, on a fait des tronçons homogènes qui en fait, les tronçons homogènes, il y en a donc 7 qu'on a déterminés comme étant homogènes par rapport à des caractéristiques particulières. Liés au tissu urbain, liés au cours d'eau, liés à la qualité de l'eau, liés à plein de choses. Et puis, à partir de ces tronçons, on a commencé à développer on a illustré le plan guide par des esquisses de projets, des faisabilités techniques de projets. Donc, en faisant à chaque fois des scénarios, un scénario d'ambition faible à moyen, et en termes de renaturation, et puis un scénario 2 avec une ambition élevée pour chaque fois et sans jamais, pour le porter jusqu'au bout, même le scénario d'ambition élevée, le porter jusqu'au bout, même en zone urbaine dense. Et donc là, je vais vous présenter deux exemples, celui de la source à l'amont et puis celui de Villetaneuse à l'aval. Donc celui moins, plus rural, avec des problématiques foncières d'ailleurs compliquées, et puis un tronçon urbain. Donc le tronçon 1, la source, donc vous voyez, c'est assez bucolique, comme là on n'est pas très loin de Paris pourtant, mais on a donc ce cours d'eau qui passe dans ce terrain, dans sa vallée, enfin c'est vraiment la vallée du Rudara, avec une problématique, donc on voit ici, le cours d'eau qui passe, je ne sais pas si on voit ma souris, mais je pense que oui. Ce cours d'eau, comme dans beaucoup d'endroits, il va faire la limite en parcellaire, et donc on va être sur des fonds de parcelles. Alors, ce n'est pas évident d'aborder la question de la renaturation d'un cours d'eau qui, lui, se trouve être en fond de parcelle, parce que dépenser des deniers publics sans qu'on puisse le voir, en quelque sorte, ce n'est pas non plus facile. Et du coup, on a commencé à travailler sur des cheminements qui pourraient se faire via des espaces publics existants. Ce que vous voyez en jaune, c'est des espaces publics. Et après, avoir une politique un peu d'acquisition foncière juste pour les terrains qui sont en rouge, là, qui sont des friches, pour pouvoir bâtir une sorte de projet qui permet de renaturer tout en ayant des fois, parfois, accès au cours d'eau de façon pas trop forte, mais pour préserver cette renaturation. Mais voilà. Donc, avec, pareil, un niveau donc de renaturation faible et puis un niveau de renaturation plus important qui me semble là en l'occurrence c'est celui qui a été voulu par la suite, mais parce qu'il est plus important, parce qu'en plus le potentiel existe. Et puis après ce travail sur un projet qui était un projet d'une sorte de promenade en boucle autour de ce tronçon de cours d'eau renaturé, avec certaines co-visibilités, certaines vues, retravailler la ripisylve, etc. Tout ça en travaillant évidemment avec les riverains, puisqu'en fait, c'est eux qui touchent le cours d'eau. Voilà, donc ça, c'est les plans plus paysagers. Et à chaque fois, des coupes pour montrer ce que ça veut dire en termes de nivellement, ce que ça veut dire en termes d'usage.
le rapport qu'on peut avoir au cours d'eau. Voilà. Et puis, une stratégie foncière à chaque fois. Enfin, là, en l'occurrence, on avait abordé ces problématiques de stratégie foncière, notamment en milieu plus rural. Sachant qu'en milieu urbain, souvent, on a des espaces publics déjà à proximité du cours d'eau. Et dans ce tronçon, il y a aussi le bassin de retenue. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi pour cette présentation, pour vous montrer qu'en fait, donc là, tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'est à l'amont de ce bassin. Et voilà, et donc, il faut aussi trouver comment aborder, comment intégrer ce bassin dans cette renaturation sans... qui est quand même une problématique forte. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, ça représente aussi c'est une opération qu'on peut démarrer relativement rapidement. Et donc là, on a fait un travail de restauration du bassin dans le cours d'eau en faisant cette renaturation et en intégrant malgré tout des gros problèmes techniques qui sont les débits qui peuvent arriver. Enfin, évidemment, le débit de temps sec qui est plus facile, évidemment, mais après des débits de temps de pluie et surtout des stockages. Donc, avec les temps de vidange, je vais voir comment on peut préserver l'aménagement malgré les usages de rétention. Et puis de voir dans quelle mesure, avec notamment là, c'est avec le CA, comment aborder la question de la maintenance et de la gestion pour préserver la renaturation du cours d'eau qui traverse en fait le bassin. Et puis le tronçon, l'autre tronçon, c'est Villetaneuse, donc à Laval. Donc là, on n'est plus du tout dans du rural, même si vous voyez qu'on a un espace vert assez conséquent. Là, on est à la limite de l'université Paris 13. Donc, vous voyez, l'université, c'est ici, tout le bâti gris, et le cours d'eau passe en périphérie. Vous allez mieux le voir. Alors, il passe ici, comme ça, pour l'instant. Et donc là, l'idée, c'est pareil, il y a deux niveaux d'ambition. Donc, une ambition faible à moyenne, et puis une ambition plus forte, qui, elle, permet, enfin, on peut vraiment la faire, même ici, on ne peut rien faire d'autre qu'une ambition faible, mais par contre, ici, on a une ambition beaucoup plus forte parce qu'on a plus de foncier. C'est un foncier qui appartient à l'université, donc on peut commencer à discuter avec les acteurs. Voilà. Donc, on a fait tout un projet de pareil, sur l'usage, sur comment faire en sorte que ce cours d'eau, pour fédérer des acteurs, il faut aussi proposer un paysage, il faut proposer des usages, il faut proposer une sorte de cohérence avec les autres projets urbains. Et notamment le fait que l'Université Paris 13 cherchait à se développer. Et donc, il fallait qu'on puisse ne pas être un frein à ce développement tout en intégrant le cours d'eau dans le projet d'architecture et de paysage. Et là, pareil, encore ces systèmes de coupe pour pouvoir valoriser le projet, le communiquer. Aujourd'hui, c'est un projet qui, en fait, tout le CIAR à l'amont est en train, avec Pleine Vallée, enfin, avec l'agglo, est en train de lancer des campagnes de maîtrise des branchements, en fait, de qualité d'eau dans le cours d'eau. Donc, depuis déjà plusieurs années, et les effets sont très positifs. Donc, en fait, quelque chose qui semblait complètement irréaliste il y a 10 ans semble aujourd'hui complètement faisable. Et même à Laval, en fait. Et à Laval, c'est les opérations d'aménagement qui vont être des opportunités pour la reconquête de ce cours d'eau. En tout cas, on a réussi à faire en sorte qu'il soit intégré dans les documents d'urbanisme, que ce soit qu'on en parle et que on a fait aussi. Cette étude a été très fédérateur aussi pour rassembler les communes entre elles des deux berges du cours d'eau. Voilà. Ça, c'est une petite chose. C'est dans le 78, aux Essarts-le-Roi. C'est un projet de. C'est pas un projet de cours d'eau en tant que tel, mais c'est assez marrant de voir ça. C'est-à-dire qu'en gros,
La ville nous appelle, elle veut faire un parking, on commence à regarder le futur parking, l'endroit, mais en même temps, on se retourne et qu'est-ce qu'on voit? Un bassin de retenue pour le pluvial, mais qui s'appelle le bassin des Gandines, mais en fait, il y a un rue des Gandines, le rue des Gandines, il passe dedans, mais il n'est absolument pas valorisé. Et on se dit, mais OK, on peut faire le parking, mais plus globalement, on peut peut-être réaménager toute cette entrée de ville en réhabilitant, en ouvrant le public au bassin et en voyant dans quelle mesure on pourrait faire ce petit débit traversier du rue, le rue des Gandines, sachant que le rue des Gandines, eh bien, il coule comme ça, en fait, et il va rejoindre après l'Yvette plus à l'aval. Et du coup, on a commencé à aborder avec la ville des questions un peu plus globales que le simple parking. On a amené la région Île-de-France, l'agence de l'eau, dans les acteurs, dans la discussion. Et petit à petit, est né un projet qui est quand même un peu lourd, hein, un projet de bassin malgré tout, mais en modifiant les berges, ici en assumant totalement le soutènement pour avoir ici des berges beaucoup plus douces. Et puis, on a réintégré dans le projet tout ce cheminement d'eau à l'amont, où le ru passe dedans, et puis pour amener dans le bassin et après repartir sur d'autres bassins. Alors, ce n'est pas une réutilisation de cours d'eau en tant que tel, mais au moins maintenant, il y a une dynamique de l'eau qui s'appelle les Gandines et qui est un ancien cours d'eau. Voilà. Donc ça, c'est la partie amont qui a été que nous avons modifiée et réaménagée. Et puis le bassin en tant que tel, avec le débit traversé qui coule comme ça, en faisant deux bras, et puis des zones humides ici. Et ça donne ça petit à petit. Donc là, il y a une ouverture totale au public. Et puis on voit en tout cas ce ru qui coule dans le bassin. Projet d'activité. Alors là, on est dans le sud de la France, à Aubagne. En fait, un projet de zone d'activité classique sur ce territoire où on a une énorme zone d'activité ici de 300 hectares. Et puis là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais donc on a un terrain qui est une sorte de friche et sur lequel des promoteurs veulent faire une zone d'activité. Or, on a le Fauge ici qui passe, qui est un affluent de l'Yvonne qui se jette à Marseille dans la Méditerranée. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on va pouvoir, grâce à l'opération d'aménagement, qui est quand même une opération dure, pas difficile, parce qu'avec portée par des promoteurs, directement par des promoteurs, donc des propriétaires fonciers, comment faire en sorte qu'on puisse valoriser le cours d'eau et en fait, voilà, et stopper donc les dégradations qu'on a ici avec un cours d'eau où on balance tout et n'importe quoi dedans. Et donc l'idée, c'est de travailler avec ces promoteurs grâce à la contrainte qu'ils ont de gestion des eaux pluviales sur l'opération, et grâce à ça, de les faire aller vers le cours d'eau, en fait. Et voilà, donc d'assumer le cours d'eau comme étant un exutoire naturel des eaux pluviales de l'opération d'aménagement, mais dans quelle mesure on va pouvoir y aller, et à partir de là, de faire un système pluvial, enfin par le pluvial, mais de faire un système global qui permet de positionner le Fauge comme étant légitime sur ce territoire-là et de l'assumer et de le valoriser, voir et après de négocier du foncier avec les promoteurs. C'est ça l'idée en fait. Les acteurs, c'est Ville d'Aubagne, la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui vont être l'aménageur, mais qui sont aussi depuis quelque temps la GEMAPI, qui porte la compétence GEMAPI, la DDT du 13 pour tout ce qui va être dossier loi sur l'eau, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui, suite à tout un travail qu'on a fait avec eux, notamment dans le cadre des ateliers des territoires et puis dans le cadre de la zone d'activité des PALU, qui est une grosse zone d'activité, eh bien, ils sont assez sensibilisés à la démarche qu'on met en place sur Aubagne. Donc, ils sont présents et ils portent le projet aussi. Et puis, les propriétaires et les promoteurs. Et donc, l'idée a été de commencer à négocier avec les promoteurs le fait de dire, voilà, le privé gère sa décennale chez lui, la pluie décennale. On a fait toutes les notes de calcul, on les a aidés à aborder la question du décennale, mais pas de la même
pas d'une, si vous voulez, avec une façon écologique et douce de le faire. Mais, et donc on a le cours d'eau qui est ici, là c'est juste, c'est le Fauche qui est ici, et c'est une vue de la partie, si vous voulez, basse de l'opération. Et puis voilà, on a une pluie décennale qui leur tombe sur la tête, où est-ce que va l'eau, où est-ce qu'elle est traitée. Donc la pluie décennale, elle est traitée pour les espaces privés, chez le privé, et puis au-delà de la pluie décennale, elle va surverser dans l'espace public et elle va servir... On va faire une grande noue, un grand mail piéton qui va longer le cours d'eau et qui va stocker les pluies des privés. Et grâce à ça, le privé va donner à la puissance publique, en quelque sorte, 10 mètres de foncier tout du long et puis 5 mètres de l'autre côté. Donc, les berges à droite... au nord, si vous voulez, 10 mètres et au sud, 5 mètres. Et l'idée, c'est de dire, voilà, c'est donnant-donnant. On gère votre pluie, mais du coup, vous nous donnez ce foncier. Et ce foncier va permettre d'avoir une vraie épaisseur végétale autour du cours d'eau, de faire une vraie ripisylve, mais aussi de permettre l'accès, notamment au syndicat de l'Uvonne, pour l'entretien de ce cours d'eau. Voilà. Et donc, c'était ça, tout l'objet de la... du projet, de recréer une liaison douce, et on a fait une sorte de parc boucle autour du Fauge. Et voilà, et donc en expliquant comment fallait faire pour traiter le pluvial, par contre, à l'amont, pour éviter de trop terrasser à l'aval, hein, enfin bon, c'est un peu technique, mais c'est un peu tout ce travail-là qu'on a fait. Et voilà, et leur montrer bah, qu'est-ce qui se passe pour une décennale, qu'est-ce qui se passe pour une trentennale. Et pour ça, plus une crue 100 ans sur le cours d'eau avec toutes les notes de calcul qu'il faut. Donc, on les a beaucoup aidés, ces promoteurs privés, mais aussi la métropole d'ailleurs qui est aménageur du site. On les a pas mal accompagnés, tout ça pour pouvoir avoir ça à la fin, même si, enfin, pour pouvoir avoir ce genre de choses, c'est-à-dire en gros les 10 mètres qu'on a négociés, ce qui permet de préserver le cours d'eau, ce qui permet d'avoir cet accès, ce qui permet du coup de développer des usages, ce qui permet d'avoir une vraie liaison piétonne et liaison douce, et du coup de ne pas avoir la zone d'activité qui jouxte le cours d'eau en tant que tel. Et voilà, et donc de l'intégrer dans un espace public et géré avec un syndicat de rivière. Donc c'est ça un peu l'enjeu. C'était ça l'enjeu et c'est ça là-dessus et ça s'est fait hein, puisque là en ce moment on est en train de réaliser, on est en train de finaliser l'AVP de ce projet. Voilà, pour une partie financée par l'Agence de l'eau. Le porteur du projet, c'est donc le syndicat de l'Uvonne et l'aménageur de la zone d'activité pour l'espace public, c'est la métropole. J'en arrive au dernier projet avant la conclusion, qui est donc la découverte de la Bièvre sur Paris, avec le premier tronçon qui est le parc Kellermann. Et donc la ville de Paris souhaite poser, enfin en tout cas pose la question de la reconquête de la Bièvre à Paris, hein, et pourtant Bièvre qui est invisible à Paris quand même depuis plusieurs centaines d'années. Évidemment. Et les points qui sont à l'étude actuellement en termes de faisabilité, c'est le parc Kellermann, qui est donc au sud de Paris, dans le 13e arrondissement, le Maille-Bièvre, qui est aussi dans le 13, dans le 13e, et le square Le Gall, qui est juste avant le 5e arrondissement, qui sont des espaces, des grands espaces publics sur lesquels on peut travailler une éventuelle découverte. Deux acteurs principaux, Paris et ses différentes directions impliquées, eau, espace vert, voirie aussi d'ailleurs, j'aurais pu le mettre, puisqu'il y a des grosses implications dans le cadre de cette découverte. Et puis la métropole du Grand Paris avec la compétence GEMAPI. Bon, d'autres acteurs importants, les départements, l'amont de la Bièvre, c'est le département 94, d'ailleurs, qui met en place aujourd'hui lui aussi des projets de renaturation du cours d'eau, l'ADRIE, police de l'eau, l'agence de l'eau Seine-Normandie, et puis les arrondissements parisiens. Alors, cette étude, elle est en cours toujours. Là, on a fait la partie faisabilité du parc Kellermann, et on est en train de faire la faisabilité du mail Bièvre. Mais il y a déjà eu une étude hydraulique, et notamment en termes de
de modification du réseau pour cette découverture. Ce que je vous présente là, c'est le diagnostic paysager environnemental qui a été fait en parallèle, hein, c'est un groupement, on est en groupement, en parallèle des études hydrauliques, de modélisation hydraulique de réseau, hein, pas de cours d'eau. Donc voilà, donc ce diagnostic paysager environnemental, il montre qu'on a fait donc tout ce qui est travail sur le parc, l'histoire du parc, l'entrée, la Bièvre dans Paris, c'est quoi, mais aussi plus précisément le parc, de quoi il est constitué, c'est quoi ses usages, c'est quoi ses enjeux, comment il est, c'est quoi sa maintenance, enfin bref, et puis tout ce qui va être l'hydrologie dans le parc, sachant qu'il a des pentes ce parc, il a du ruissellement. Et puis, tout ce qui va être espace vert, la gestion et la maintenance de ce parc. En intégrant, la topographie, l'histoire, le fonctionnement actuel, les grands aspects paysagers, le grand paysage, mais aussi le petit paysage au sens des usages, au sens des arbres existants, etc. etc. Mais en fait, bon, je vais assez vite, hein, parce que je... en tout cas, l'approche historique de la Bièvre et toute l'analyse qu'on a faite montrent qu'en gros, il y avait petit à petit, il y a eu deux bras dans la Bièvre. La Bièvre morte, c'est la Bièvre historique, la Bièvre qui avait un rythme très lentique, hein, qui était vraiment une Bièvre qui parfois même stagnait. Et puis, il y a eu une Bièvre un peu plus... artificialisée, hein, tropique, qui est la Bièvre vive, qui a été un peu faite justement pour créer de la dynamique et pour pouvoir alimenter des tanneries, des moulins, etc., comme dans beaucoup de cas des rivières en milieu urbain. Thierry, il vous reste à peu près 5 minutes. Ok, très bien, je file. Merci. Donc là, l'analyse du parc, moi je passe, mais c'était l'analyse photographique avec le périphérique que vous voyez ici qui s'est implanté dans les années 60 et qui a coupé d'ailleurs la Bièvre, mais aussi le parc. Et années 80, le parc est terminé, puisqu'il a été démarré avant la Deuxième Guerre mondiale, mais il a été terminé dans les années 80. Et puis après, toute cette démarche sur le parc, sa topographie, ses usages, son mobilier... les grosses contraintes qu'on a dans le parc en termes de nivellement, les typologies de paysages. Là, on voit bien qu'on est sur du parc du 19e, mais en même temps avec des approches très, très fortes, ces fontaines, etc., donc de l'architecture. Les usages actuels qui ont été bien identifiés, l'hydrologie, comme je le disais. Voilà, les pistes d'aménagement. C'est de retrouver la Bièvre, hein, mettre à jour son lit historique ou approcher, révéler le cours d'eau aux yeux de tous, hein, essayer de faire en sorte que ce cours d'eau soit vu des Parisiens, soit un élément important, tout en respectant les usages actuels. Mais le problème, c'est plutôt d'intégrer les usages actuels tout en essayant de développer une approche de biodiversité forte. Donc, on a fait tout un travail sur l'hydromorphologie, le remiandrage du cours d'eau dans le parc. Et puis, après, de travailler et le bras vif et le bras mort. Et donc, en fait, on a deux scénarios. Un scénario bras vif, est-ce qu'on peut le faire? Un scénario bras mort, est-ce qu'on peut le faire? Donc... voilà, c'est deux tracés, avec trois séquences qui ont été identifiées. La séquence amont, centrale, aval, elle est maintenant caractérisée par des vrais noms. Mais voilà. Et donc, le scénario bras vif, c'est vraiment un scénario où c'est une plus forte renaturation. Mais ça implique, donc là, c'est une coupe qui est à l'amont, et puis après, on a une coupe à l'aval. Donc ça, c'est la partie centrale. Donc, on voit qu'on a des grosses problématiques de nivellement, de terrassement. Avec la partie ici, où en fait, c'est aujourd'hui des équipements sportifs, hein, tout ce que vous voyez ici. Là, on est sur... c'est un stade. Tout ça, c'est un stade avec des gymnases, etc. Donc, le fait de renaturer le cours d'eau
fait qu'on supprime tous ces usages sportifs qui est politiquement compliqué à mettre en place. Et on crée donc des espaces comme ça, voilà, qu'on a développés avec des berges protégées, etc. Je vais un petit peu vite, excusez-moi. Mais... Et puis le scénario 2, Bras Mort, qui lui est plus... Alors, on a toujours ces problématiques de nivellement de façon lourde. Et puis, par contre, on ne supprime pas les usages sportifs et du coup, on passe à côté dans des espaces qui sont avec du terrassement plus important. Donc, on est moins renaturé. Vous voyez, on passe ici. Par contre, ça pose les questions intéressantes qui sont les limites du parc. Est-ce qu'il ne faut pas associer tout ça, repenser totalement le réaménagement du parc en valorisant le cours d'eau dans sa berge sud, en quelque sorte. Voilà. Et puis, voilà, j'en arrive à la conclusion. Parce que c'est un sujet qui m'est cher, c'est pourquoi un métier comme celui du pluvial prend part à la réflexion sur la rivière. Et en fait, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui sur le fait que c'est deux mondes différents, le monde de la rivière et le monde de la gestion des eaux pluviales, et je trouve que c'est très dommage. Et il y a une dissociation qui est très forte entre ces deux mondes, en quelque sorte, et ça vient du passé. Hein. L'eau pluviale, ça a été très vite de l'assainissement, avec des tuyaux... le raccordement systématique au réseau, mais quelque part, à cette même époque, le cours d'eau a été aussi totalement ignoré, hein, busé, il disparaît des paysages urbains. Et donc, et puis en plus, à cause de l'approche pluviale et assainissement, eh bien, ça a généré dans les cours d'eau des pollutions fortes. Donc, historiquement, ces deux mondes qui ont été quand même très... ça a été très tendu. Voilà, des pollutions très, très fortes, des véritables cloaques en ville, hein, ce qui a fait que, d'ailleurs, souvent, ils ont été busés et canalisés. Et puis, des grosses inondations. On dit, ouais, les rivières sont des supports des inondations, mais en même temps, c'était aussi parce que le pluvial arrivait très, très vite dedans. Et donc, voilà. Donc, petit à petit, on ferme les rivières. On a fermé, bien évidemment, le pluvial, c'est dans des tuyaux depuis les années 40-50. Et puis, les rivières, petit à petit, c'est le cas aussi. Donc, on voit donc là, tout ça, c'est toute cette approche. Là, c'est des photos d'Île-de-France, mais c'est toute cette approche de l'après-guerre où on a tout canalisé, ce qui fait que c'est un vrai souci. Parce que, par exemple, là, on voit l'aménagement urbain. Mais en fait, au début du XXe siècle, l'urbanisation existait. Vous voyez ça, ces photos. Sauf que le pluvial n'existait pas. C'est-à-dire que l'eau ruisselait dans les caniveaux, suivait le fil d'eau, suivait une pente. Mais la courbe des orages, elle était lissée par le chemin de l'eau, par l'inertie de l'eau. Mais à partir du moment, et ça c'est l'après-guerre, au même moment qu'on buse les rivières, au même moment que, on raccorde systématiquement le pluvial au réseau, qui vont en rivière. Et par contre, là, pour le coup, il n'y a plus de lissage des courbes d'orage. Donc, on a des vrais problèmes d'inondation. Et c'est ces inondations qui ont été renforcées par l'approche pluviale qui va directement dans les cours d'eau. Ça, c'est un petit clin d'œil, mais ça, c'est un peu des rivières, des rues rivières, en quelque sorte. Mais ça, j'en reparle, enfin, très méditerranéenne, mais là, c'est en Île-de-France. Ou ça, ce sont des lits de rivières qui, simplement, des zones d'expansion de crues qui ont été urbanisées. Et on voit bien que ça, c'est des exemples de Seine-Saint-Denis que je connais bien. Ça, c'est le réseau hydrographique naturel de la Seine-Saint-Denis. Début du XXe, c'était à peu près comme ça. Et dans les années 70, c'est devenu ça. C'est-à-dire, ce que vous voyez ici, c'est que des tuyaux d'assainissement. C'est que des réseaux. Donc, forcément, les inondations ont été complètement renforcées. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir discussion sur la gestion des eaux pluviales telle qu'aujourd'hui on l'a fait depuis quelques années et la renaturation de cours d'eau, parce que la rivière et le pluvial sont intimement liés. La rivière, c'est la vallée, c'est l'exutoire, c'est le point bas. Et le pluvial, c'est des chemins d'eau, et en fait, ça va rejoindre la rivière à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est aussi le pluvial qui alimente la rivière. Et aujourd'hui, le pluvial, il est considéré comme étant faisant partie du petit cycle de l'eau, donc de l'assainissement, ce qui est quand même dramatique, puisqu'en fait, c'est déjà pour moi du grand cycle de l'eau. Le pluvial, c'est du grand cycle de l'eau, comme le cours d'eau. Et d'ailleurs, je pense que la rivière commence là où la goutte d'eau tombe déjà sur la ville et qu'elle ruisselle.
Et donc, c'est important d'aborder ces questions-là parce que ça va être, c'est important d'aborder ces comment dire, ça change aussi la donne par rapport aux acteurs, en fait. Et donc, aujourd'hui, la ville, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau de pluie, elle a besoin de ses cours d'eau, mais elle a besoin d'eau de pluie. Donc, ça veut dire que l'eau de pluie, aujourd'hui, c'est une ressource pour la ville, pour l'habitant. C'est grâce au chemin d'eau qu'on fait à ciel ouvert, qu'on souligne une géographie, qu'on souligne des micro-vallées, qu'on souligne des petites alvèques. Donc, quelque part, on parle déjà du cours d'eau, on parle déjà de la rivière en ville. Et donc, il y a des dimensions nouvelles par rapport au pluvial, mais par rapport au cours d'eau aussi, hein, c'est d'accompagner le dérèglement climatique, de créer des zones de fraîcheur, de travailler sur la trame verte et bleue, de créer de la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on en arrive à produire du sol vivant au milieu urbain. C'est pour ça que c'est très, très lié à la rivière aussi, c'est très, très intimement lié à la rivière. En tout cas, ça joue sur la rivière. Et donc, c'est le triptyque au sol végétal qu'on essaye de mettre en place et qui, pour moi, je ne le dissocie jamais d'un travail sur le cours d'eau à l'aval. Voilà. Je vous montre quelques exemples du fait qu'on ne doit plus aujourd'hui considérer le pluvial comme petit cycle de l'eau, mais déjà faisant partie du grand cycle de l'eau. Et je vous remercie. J'espère que j'ai été dans les temps. Merci beaucoup Thierry, oui, on va pouvoir prendre une dizaine de minutes de questions, il y en a déjà eu plusieurs qui ont été posées dans le chat. La première de Delphine Sigal qui pose une question un peu générale sur la façon dont est géré ensuite l'entretien suite à ces travaux, notamment des noues végétales créées, etc. Quels services au sein des collectivités travaillent là-dessus et est-ce qu'il y a éventuellement parfois des entretiens avec des animaux qui sont prévus? Alors, bah oui, tout à fait. Enfin, tout va dépendre. Ce n'est pas tellement lié au projet, mais c'est vraiment lié à la politique de la collectivité. Hein. On peut tout à fait utiliser des animaux. On peut, sur certains des cours d'eau, les cours d'eau non domaniaux, ils sont théoriquement gérés par le propriétaire de la berge, hein, le propriétaire du terrain. Mais il y a des collectivités qui préfèrent avoir accès, qui préfèrent entretenir le cours d'eau aussi. Enfin voilà, tout va dépendre. Par exemple, le projet que j'ai présenté sur le camp sur Aubagne, le cours d'eau est géré par le syndicat de Vallée, le syndicat de Luvonne. Donc, et du coup, eux aussi mettent en place des animaux sur certains espaces. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Hélène Cheval qui a deux questions sur le projet numéro 1 et sur le projet numéro 2. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. C'était vraiment intéressant, en particulier sur les dernières diapos. Enfin, il y a eu un commentaire à ce sujet et c'est vrai que la question de la gestion des eaux pluviales et le lien avec les rivières est pas si souvent traité et ouais, je trouvais ça vraiment intéressant et du coup j'avais une première question par rapport au projet numéro 2 qui est en lien avec ça. Il m'a semblé qu'en fait la négociation elle se faisait presque en amont, c'est-à-dire comment vous avez réussi à négocier cette mission d'AMO de calcul de prise en compte de la gestion des pluies dans ce projet. Est-ce que c'était déjà un des volets ou est-ce que justement il a fallu déjà travailler la question pour lancer en fait cette étude et prendre en compte ce volet-là en lien avec la rivière. Et ma deuxième question, ça n'a rien à voir, c'était sur le projet numéro 1. Je me demandais sur la partie rurale, où du coup il y a beaucoup de parcelles des riverains. Est-ce que là-dessus, quand vous avez fait votre présentation, j'avais l'impression que c'était assez facile finalement sur cet aspect-là, est-ce que du coup il y a eu quand même des problématiques par rapport aux riverains, parce que même si c'est en fond de terrain, il peut y avoir des fois des difficultés à faire accepter de prendre une partie, de faire passer un chemin, de voilà. Est-ce qu'il y a eu des freins ou au contraire peut-être des leviers, voilà, comment ont réagi les riverains à ce niveau-là? Les riverains, justement, c'est une très très bonne question parce que moi aussi j'imaginais que ce serait beaucoup plus dur en milieu urbain qu'en milieu rural. En fait, en milieu rural, en même temps, elle est privatisée presque, ce cours d'eau, puisqu'en fait, il est en fond de parcelles. Les gens l'utilisent, ils modifient même la berge. Parfois, ils utilisent l'eau pour l'arrosage.
de leur jardin. Donc, il y a tout un truc, il y a toute une pédagogie à faire aussi sur ces riverains-là. La problématique qu'on a eue, c'est aussi la mutation des riverains. C'est-à-dire que les générations anciennes travaillaient avec le, enfin, connaissaient très bien le cours d'eau et respectaient le cours d'eau, connaissaient comment ils vivaient le cours d'eau. Enfin bref, donc du coup, ça rentrait vraiment dans leur pratique de l'espace, de leur espace privé. Mais les nouveaux arrivants, une fois qu'on a des cessions foncières, en fait, ne connaissent pas du tout la problématique. En plus, la culture de l'eau, de nos générations aujourd'hui, sont beaucoup plus, comment dire, déjà, on est moins rural qu'avant, en fait. Et donc, même en milieu rural, les nouveaux riverains qui acquièrent les parcelles voient ce cours d'eau. Parfois, ça les gêne, ce cours d'eau. Donc, ils vont pousser la berge, par exemple. Donc, nous, il faut qu'on fasse aussi une pédagogie sur le cours d'eau dans l'espace privé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce n'est pas idiot dans le tronçon que j'ai montré de pouvoir acquérir certaines parcelles pour pouvoir avoir une présence de la puissance publique quand même quelque part à proximité du cours d'eau. Parce que c'est ça qui va permettre d'un peu voir la qualité, comment sont entretenues les berges, mais surtout qu'elles ne soient pas modifiées. Il y a des riverains qui modifient l'écoulement de l'eau du cours d'eau. Donc, du coup, peuvent avoir un impact sur le ravinement, sur le transport des matériaux, sur des inondations, sur des embâcles, sur des choses comme ça. Et la première question sur le... Pardon. Ouais, et du coup, au final, toutes les idées qui étaient là ont pu se faire avec les riverains, où il y a eu vraiment des blocages sur certains aspects. Par exemple, le chemin, il passe sur certaines parcelles ou... Non. Le chemin, d'accord. C'est un chemin qu'on a identifié qui existait déjà sur l'espace public. C'est une petite passage publique. Et donc, du coup, on le valorise totalement. On essaie de voir, et surtout, on acquiert des petites friches qui ne sont pas très, très chères, d'ailleurs, mais qui permettent de dilater le chemin de temps en temps. Et du coup, de faire des petites pauses, de mettre un banc, de mettre un ponton, etc., etc. D'accord. Et donc, d'avoir un rapport public-privé plus fort, en fait. D'accord. Ok, c'est ça pour la deuxième question. Et la deuxième question, je me rappelle plus en fait. Par rapport au projet numéro 2 et justement à la prise en compte de l'entrée gestion. Ah des... oui. Voilà. Est-ce que ça a été négocié en amont en fait? Parce que déjà rien très que... important, très important cette question. En fait, tout ce travail qu'on a fait sur le camp de Sarlier, il vient de tout un travail qu'on a fait dans le cadre des ateliers des territoires. Avec la DDT, avec la métropole, avec plein d'acteurs importants, l'Agence de l'eau. Et notamment, on a pris comme exemple le travail sur la zone des Palus à Aubagne, qui fait 300 hectares, qui est une zone d'activité très moche des années 60, en gros. Et on a retravaillé le pluvial comme étant un élément de reconquête du paysage, en fait. Et surtout, on a retravaillé tout un travail de chemin de l'eau qui va vers le cours d'eau. Mais la porte d'entrée était le pluvial pour aborder le cours d'eau. Et quand la zone d'activité s'est développée, les acteurs publics se sont dit « mais on pourrait illustrer tous ces propos dans cette nouvelle zone d'activité ». Et donc, du coup, nous, on a commencé à proposer des choses, à faire une proposition de mission, puis on s'est rendu compte, en discutant avec le syndicat, qu'il y avait le Fauge, qui est l'affluent de l'Uvonne. Et très vite, et a germé dans notre tête, le fait de partir sur le pluvial pour valoriser le cours d'eau, ce qui justifiait complètement plus la maîtrise d'ouvrage du syndicat du cours d'eau, en fait. Et il a fallu, du coup, créer des liens entre le syndicat, la métropole qui est plus aménageur, et les partenaires privés. Et c'est ça qui a été compliqué. Donc, du coup, notre mission, elle est une mission aussi bien de maîtrise d'œuvre cours d'eau, en quelque sorte, et plus le mail piéton que vous avez vu à côté. Donc là, on est maître d'œuvre là-dessus. Mais il y a un deuxième volet dans notre mission qui est un AMO qui permet de suivre tous les propriétaires fonciers et puis la métropole sur l'aménagement des espaces publics et la justification de cet AMO, c'est de pouvoir maintenir la topographie, le nivellement de l'espace public futur qu'il faut qu'il lui soit, qu'il puisse respecter la rivière. Donc du coup, notre AMO permet de garantir le nivellement, la topographie de tout le système en fait. Voilà. Ok, donc ça c'est une expérimentation finalement, enfin ça a été par l'entrée expérimentation via les ateliers plus généraux au niveau du territoire qu'on fait. Ok. C'est ça, oui.
D'accord, merci beaucoup, mais en tout cas très intéressant. Je vous en prie. Merci beaucoup Hélène pour ces questions. Il nous en reste deux avant qu'on puisse passer à la suite s'il n'y en a pas de nouvelles. Une question sur des enquêtes à réaliser éventuellement a posteriori auprès des promeneurs sur les sites restaurés. Est-ce que c'est des choses qui sont prévues ou qui ont été réalisées sur ces projets ? En fait, non, c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est prévu, mais ça n'a pas encore été réalisé. En tout cas, ça me semble être une chose qui est très importante à faire. Mais il y a plein de choses dans les retours d'expérience. Une fois que les projets sont mis en place, il n'y a pas que les interviews des usagers. Il y a la notion de dégradation. Il y a beaucoup de choses à analyser une fois que le projet vit, dans les 10 premières années notamment. Et d'ailleurs, sur des projets comme ça, il faut vraiment essayer d'avoir toujours des petits... déjà dans les 2-3 premières années, toujours avoir un peu de budget pour pouvoir remanier certains espaces dont la vie montre qu'en fait, il y a des loupés, ça peut arriver. Et puis après, il faut vraiment avoir une grande humilité parce qu'en fait, c'est des projets assez forts. Et ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir les moyens de les modifier par la suite aussi, si jamais il y a besoin. Très bien, merci. Et une dernière question d'Hervé Bauduc de l'OFB. Alors, je ne suis pas sûr de l'avoir bien saisi, donc je laisserai compléter s'il le souhaite. Comment concilier une valorisation écologique d'un bassin de rétention et la capacité hydraulique de rétention prévue initialement ? Entre guillemets, le comblement organique au fil du temps versus le volume de stockage initialement prévu et qui doit se maintenir pour maintenir l'usage de capacités hydrauliques. Ouais, je pense qu'en fait, c'est faire un projet comme ça, déjà, c'est pas l'idéal. Quand on le fait, c'est que les contraintes font qu'on est obligé de le faire et que c'est toujours un moindre mal que de le faire. Mais ça veut dire qu'il y a des concessions à faire et du côté du fonctionnement hydraulique du bassin et du côté de la renaturation du cours d'eau. Donc, il y a vraiment un consensus à trouver, aussi bien d'ailleurs dans le projet, la conception et la mise en œuvre, mais aussi par la suite dans l'exploitation. Et ça veut dire qu'on peut très bien accepter de perdre du volume de stockage, changer le type de maintenance, changer le type de nettoyage. Ça, c'est vachement important, mais du coup, ça veut dire pour un service assainissement, c'est très difficile de mettre en place ça. Ça veut dire former ses équipes, ça veut dire une multitude de choses. Ça veut dire aussi, je pense, associer toutes les équipes du bassin dans cette renaturation et dans la valorisation de la renaturation pour qu'en fait, parce que ça complexifie forcément la maintenance du bassin, donc quelque part, il faut que les agents soient très sensibilisés sur l'intérêt de la démarche. Sinon, c'est très difficile. Voilà. Mais il ne faut pas imaginer, enfin, il ne faut pas que les deux acteurs pensent faire la même chose qu'auparavant. Non, la renaturation, elle est forcément, il y a une concession sur la renaturation et il y a une concession sur l'exploitation. D'accord, oui, donc une recherche de compromis. Oui. Très bien, eh ben, on a fait le tour des questions et demandes de précision. Donc, je vous remercie encore une fois, Thierry, pour cette présentation. De rien, merci à vous. Et je vais laisser la parole à Stéphane pour prendre le relais sur le deuxième retour d'expérience. Très bien, merci. Alors, je vais aller chercher l'écran. Tac. C'est bon au niveau de l'écran ? C'est parfait, ouais. Allez, eh bien, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, après cette première, ce tour d'horizon vraiment très, très varié et intéressant sur l'intégration, notamment pluviale cours d'eau, on va cibler là l'intervention sur une phase réalisation, une phase travaux. Alors, on est à une échelle un petit peu plus... aménagement, on va dire. J'ai mappé que vraiment uniquement la prise en compte de la question du pluvial et de la découverture de la restauration de petits cours d'eau urbains. Mais bah, vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes dans les leviers d'action, les leviers de décision, etc. entre les différents projets. Je commence, si j'ai la main sur l'animation. Voilà. Bon, rapidement, c'est un classique pour vous situer un peu le territoire. Donc, le bassin versant de l'Iseron est situé dans l'ouest lyonnais. C'est un affluent rive droite du Rhône
au sud de l'agglomération lyonnaise. C'est un petit bassin versant, il fait 150 km², donc ce n'est pas très, très important, ça fait une vingtaine de communes, mais par contre, ça fait 125 000 habitants. Donc ça donne un ratio, évidemment, et un caractère relativement urbain, avec un gradient assez marqué de l'amont vers l'aval, avec un amont relativement préservé, des cours d'eau qui prennent leur source dans les monts du Lyonnais à 800 mètres d'altitude, donc ça leur donne quand même un caractère assez torrentiel, avec donc des masses d'eau relativement préservées, je le disais. Une zone médiane périurbaine qui est la zone de développement sur laquelle s'exercent toutes les pressions du résidentiel de l'Ouest lyonnais. Et on voit avec les photos aériennes que les cours d'eau, finalement, se sont un peu soustraits à l'urbanisation dense des plateaux parce que dans le relief, là, on est sur un massif granitique, ils se sont enfoncés au fil des temps géologiques, là, hein, en créant des vallons très encaissés, donc des fameuses coulées vertes, qui ont d'autres enjeux, évidemment, d'intérêt de préservation, d'intérêt naturel, mais qui contribuent aussi au fait que les cours d'eau sont un petit peu délaissés parce qu'ils sont au fond de leurs vallons. Donc vallon naturel versus, ça fait le lien un peu avec l'intervention précédente, milieu récepteur. C'est-à-dire qu'on peut à la limite balancer un peu tous les tuyaux que l'on trouve dans ces rebords de vallon, on ne sait pas trop ce que devient l'eau ensuite, et on a quand même des enjeux de gestion assez importants sur cette partie-là. Mais on va dire que sur les trois diapos que vous avez, enfin les trois photos aériennes, on est sur la masse d'eau dite naturelle avec encore des potentiels, enfin des objectifs de bon état, pardon, sur cette masse d'eau. La partie aval sur laquelle ensuite on va développer l'intervention, elle est dans la partie agglomérée. On est sur des masses d'eau fortement modifiées et on est sur des cours d'eau qui ont été évidemment très artificialisés par le développement de l'agglomération. On va y revenir. Donc voilà, donc on retient un bassin versant avec un régime torrentiel. Donc évidemment, vous me voyez arriver avec le sujet des inondations et un gradient assez marqué, assez classique, caractéristique d'urbanisation de l'amont rural vers l'aval urbain dense. Un petit synoptique pour rappeler un peu notre cadre d'intervention. On arrive au sujet classique. Hein, là encore, c'est un cas d'école un peu. Recrudescence des inondations, enfin des crues débordantes, on va dire, fin des années 80, début des années 90. Donc, les communes se fédèrent dans un premier temps, pas dans une logique de bassin, dans une logique uniquement de solidarité de communes inondées à l'aval pour trouver des solutions à la question des inondations. On en arrive donc ensuite à une logique de syndicat d'aménagement, syndicat de rivière, pour porter un contrat de rivière dans la décennie 2000, dont le volet inondation, évidemment, a pris plus de temps que ce que nous avions prévu au départ et qui a pu être transformé en PAPI, en programme d'action de prévention des inondations, qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, on a une genèse et une approche initiale du projet qui est principalement hydraulique, hein, avec l'enjeu de protection contre les inondations. On a pris en marche un petit peu le train, entre guillemets, par rapport à notre genèse de projet, le train de la DCE, hein, de la directive 4 sur l'eau, qui nous a permis d'enrichir notre projet en y intégrant ce volet fort de renaturation, restauration hydromorpho, enfin, tous les termes sont possibles. Ce qui n'est pas anodin, j'en parle ici, on pourra y revenir par la suite, mais parce que, bien sûr, tous ces projets, on est aussi sur des cours d'eau non domaniaux, sont soumis à pas mal de portages publics, et ça n'est pas du tout la même chose que de justifier une utilité publique d'un projet, puisque là, on a des acquisitions foncières à faire au titre des inondations, que de justifier cette même utilité publique au titre des enjeux, non seulement inondations, mais aussi, on va dire, milieu, environnement et toute la sémantique derrière qui est plutôt à la mode et porteuse, développement durable, etc. C'est pas rien parce que c'est des projets qui coûtent plusieurs millions d'euros en l'occurrence, donc c'est de l'argent public, hein. Et je parlais de 125 000 habitants sur notre territoire, la crue centennale concerne à peu près 3 000 personnes. Donc, en tant que citoyen, on peut se poser la question légitimement, est-ce que 3 000 versus 125 000, ça justifie l'injection de millions d'argent public sur un seul enjeu inondation? Et le fait d'y associer cet enjeu de restauration, bon, bien malin, celui qui est capable de donner un prix ou un intérêt commun à ça, de le quantifier en tout cas, et ça nous a quand même mis plus à l'aise aussi en termes de portage politique que de doubler cet objectif. Et donc, sans pavoiser, hein, mais sans le savoir, et on était content, ça va mieux en le disant après, on était évidemment assez en amont, mais complètement dans les clous de la future, non seulement de la directive inondation, mais surtout de la future évolution GEMAPI, puisqu'on était bien dans l'intégration du GEMA et du PI.
Voilà un petit peu pour le contexte et le cadre d'intervention. Si je rentre un peu plus dans le détail un petit peu de la conception, des principes d'aménagement, on est bien sûr sur un risque d'inondation de zone urbaine, donc des images qu'on pourrait déployer sur de nombreux territoires avec des débordements importants, des zones urbaines. Alors on peut avoir comme la photo en bas à gauche, là on voit qu'on est en zone plus périurbaine, hein, c'est encore relativement, on n'est pas encore complètement dense, mais on est venu mettre de l'habitat qui n'est pas récent, hein, on voit que c'est de l'habitat même du 19e pour partie, en plein dans le lit d'expansion du cours d'eau, donc c'est du classique. On peut avoir ensuite des systèmes d'endiguement et de gestion topographique pas très très heureux, puisqu'on voit que là, on a des habitations en rive gauche, on est en zone là un peu plus dense, qui subissent les débordements. Donc on amène les débordements sur les habitations, et si vous devinez ou vous me croyez sur parole, derrière c'est un stade sportif, c'est un terrain de foot. Et donc là on se dit il y a une petite incohérence, quoi. Au lieu d'inonder et de profiter de l'expansion des infrastructures, qui aurait un coût aussi bien sûr, mais voilà, on peut se dire qu'on avait une conception un petit peu raté au niveau topographie et une mauvaise lecture du chemin de l'eau en cas de crue. Donc, au-delà de cet aspect inondation, et c'est complètement lié, c'est intégré, il y a l'aspect contrainte, donc dégradation des milieux naturels aquatiques. Donc là, encore une fois, ça fait le lien avec l'intervention précédente, l'Iseron à Oulin, notamment sur la partie aval du bassin versant, pour ceux qui connaissent le territoire, eh bien, il a été entièrement canalisé, c'est la photo en haut à gauche, donc avec une cunette béton, fond du lit et berge complète, sur 1,5 km dans une traversée urbaine, donc c'est quand même des tronçons de rivière. L'Iseron fait 20 km en tout, hein, depuis sa source jusqu'à sa confluence, donc ce n'est pas anodin en termes de linéaire. Et là, on voit sur cette photo, par exemple, que on est rectiligne, on n'a pas trop le choix. Je ne sais même plus objectivement quel était le tracé initial, parce que c'est tellement ancien cette canalisation qu'on a, on a aussi perdu cette mémoire-là. On a derrière ce mur rive gauche là, un collecteur d'assainissement. Donc, de toute façon, j'ai aussi beaucoup de contraintes latérales, puisque la plupart du temps, on peut superposer le réseau d'assainissement, en l'occurrence unitaire à cet endroit-là, donc qui impacte en termes de qualité via les déversoirs d'orage en temps de pluie le cours d'eau. Mais je disais, on peut superposer le réseau gravitaire d'assainissement au réseau hydrographique naturel. Ce qui veut dire que, et ça je pourrais même le démontrer en amont du bassin versant, très tôt, alors pour un gestionnaire de cours d'eau, le principe de non-intervention est un peu mis à mal, puisque très vite on a des enjeux latéraux avec des infrastructures, notamment de transport d'eau usée, qui nous demande de sécuriser les berges. Donc, le cours d'eau ne peut plus trop exprimer sa puissance spécifique en cas de crue latéralement. Et puis là, en rive droite, on est sur un encorbellement. Donc là, on a une voirie, un trottoir qui est venu se suspendre carrément au-dessus du cours d'eau. Donc voilà un peu les contraintes. Et puis, je peux décliner ça lorsqu'on retrouve un lit non bétonné. Mais on voit qu'on a des espèces, ça c'est la photo là, des plats sableux importants, parce qu'on a évidemment un cloisonnement longitudinal assez important du lit, avec des effets de seuil, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, des radiers de pont, etc. Et puis, bah, on a le pavillonnaire urbain périurbain qui veut à la fois profiter du cours d'eau, mais en même temps s'en protéger. Donc, c'est du classique aussi. On va bétonner les berges pour se protéger des érosions. Du coup, ça renvoie chez le voisin qui surenchérit, etc., etc. Et puis, on a d'autres tronçons où là, c'est des infrastructures publiques qui sont venues contraindre la rivière. La photo en bas à gauche, je la redéveloppe par la suite. C'est une section carrément effectivement canalisée en trapèze avec des enrochements liaisonnés pour la construction d'une voirie dans les années 70, d'une route départementale. Donc, j'y reviens un peu plus bas. D'autres photos sur les berges dégradées, même quand on remonte un petit peu, donc il y a les problèmes de rejet, dont on ne sait plus trop d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a comme recollement. On voit que celui-ci est complètement engravé. De temps en temps, il crache, on a du mal aussi, puis ce n'est pas directement notre compétence en tant que syndicat de rivière, mais il y a quand même ces suggestions-là à prendre en compte. Des renforcements de berges, évidemment, de manière très, très hétérogène, un peu comme on peut, et la problématique des espèces végétales invasives. Donc, un panel malheureusement assez classique que l'on avait à gérer sur ce bassin versant de l'Iseron. Je parlais de l'histoire, c'est intéressant, et là encore, ça a été abordé
précédemment, c'est bien de se poser la question finalement, mais quelle était la référence de ce cours d'eau pour les usagers, pour notamment les habitants. Donc là, je reviens sur le secteur d'Oulin, donc, qui est la dernière commune aval du bassin versant. Et en fait, on se rend compte, ce sont des cartes postales, hein, même du début du XXe siècle, que la rivière elle a été canalisée depuis très 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 longtemps. Là, on mettait en photo la construction du canal béton sur l'Iseron aval. On voit qu'il y avait des phénomènes de seuil très importants, évidemment totalement infranchissables pour la faune. L'encorbellement que j'évoquais en photo tout à l'heure, bah, vous voyez qu'il était déjà présent en 1905-1906. Et puis, on avait quelques zones, mais on devine derrière que les berges, en termes de ripisylve, étaient quand même déjà très, très dépourvues et relativement à nu. Alors, cette approche un peu historique, elle est intéressante, importante pour le portage un peu public, la fameuse concertation, même si, je le dis tout de suite, ce sont des projets un petit peu ancienne génération maintenant, au sens de la concertation publique. Si c'était à refaire, évidemment, ça serait fait un petit peu différemment. On était plus dans de l'information, les bonnes vieilles réunions publiques, les bonnes vieilles réunions de quartier, que de la co-construction. Mais n'empêche qu'il y a quand même eu évidemment cet échange avec les usagers. Et lorsqu'on arrive avec nos gros sabots et pensant arriver en terrain conquis, en disant « mais cette vilaine cunette en béton, on va vous la supprimer, on va vous rendre un Iseron plus naturel », eh bien, on voit qu'on a un accueil mitigé parce que de génération, l'image de référence, en termes de paysage, de perception sociale, de plusieurs générations d'Oulinois, bah, c'est ce lit en béton qui certes n'est pas très heureux d'un point de vue esthétique, paysager, mais qui est quand même associé à bah, l'image hein, de la canalisation, de la maîtrise, de la mise en vitesse, etc. Du reste, l'origine de cette cunette béton, elle n'était pas tant hydraulique que de salubrité, des problèmes de salubrité. L'Iseron, là c'est le quartier de la Soleil hein, qui porte bien son nom, c'était une zone de confluence marécageuse avec le Rhône aval, à l'aval de la métropole de Lyon. Et donc, on a plein de rapports qui démontraient qu'il y avait beaucoup d'immondices, il n'y avait pas d'assainissement des eaux. Donc, dès lors que ça stagnait, ça posait des problèmes de salubrité publique. Donc, un des enjeux de ces cunettes hydrauliques, béton, c'était de mettre en vitesse pour ramener tout ça au Rhône, et pas uniquement, il se trouve qu'il y a aussi des fonctions par la suite, mais qui ont été dimensionnées un peu plus tard, des fonctions d'ailleurs erronées de protection contre les inondations. Donc, sur le volet stratégie d'aménagement, donc là, on retrouve notre bassin versant schématisé avec la topographie. Donc, on se concentre sur le secteur aval. Toutes les petites pastilles que l'on voit, ce sont des élargissements de lits pour restaurer des capacités d'écoulement, des crues. Et là, on a un niveau de protection recherché qui est la crue trentennale. Donc, on va se concentrer sur la partie aval du bassin versant. Pour information, il y a aussi, là, c'est sur le volet strictement hydraulique, un enjeu de rétention et d'écrêtement des crues jusqu'à la centennale par la création de barrages écrêteurs qui ne sont pas encore réalisés, qui sont situés sur les parties un petit peu plus amont. Mais si on se reconcentre sur notre projet de restauration de rivière à l'aval, l'idée, en gros, c'est de doubler la largeur du lit. Ça représente 4,5 km de cours d'eau répartis sur 5 communes. Ça fait 8 sites de travaux. Ça représente 10% du linéaire total du bassin versant, mais 65%, c'est là où ça devient intéressant, de la masse d'eau fortement modifiée. Donc, un objectif Q30 pour aujourd'hui, des premiers débordements qui ont lieu à peu près à Q10. Enfin, je dis aujourd'hui, c'était avant travaux, puisqu'on a déjà pas mal de réalisations de terminées. La coupe type, alors elle est un peu complexe, il y a beaucoup de choses dessus, mais on va la commenter. L'idée, alors le principe, il est assez bête, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est si là j'ai mon lit actuel, c'est le pointillé, on va dire noir, si vous le distinguez, eh bien l'idée c'est de doubler le lit pour gagner en section d'écoulement. Donc le lit fait à peu près 10 à 15 mètres de large à cet endroit-là, donc vous voyez que c'est une bande de 10 à 15 mètres qu'il faut gagner en zone urbaine, soit en zone pavillonnaire, soit en zone jouxtant des infrastructures, notamment de voirie. Donc, évidemment, on ne fait pas une autoroute dans le cours d'eau, donc on maintient le lit d'étiage. Là, c'est les concepts que vous maîtrisez, j'imagine tous, des lits emboîtés. On crée une risberme de débordement. Et là, se pose la question, notamment sur les tronçons, on va dire, jouxtant des infrastructures publiques. L'idée, c'est de déborder à partir de la crue annuelle ou biennale selon les sites. Donc, ça veut dire que cette risberme, ce platis de débordement, va offrir, évidemment, une opportunité de fréquentation,
En période de temps sec, donc la majeure partie du temps, même, je l'ai dit, jusqu'à Q1, donc on peut aussi avoir des petites pluies, on n'est pas tout de suite les pieds dans l'eau. Et donc, petit à petit, mais c'était pas venu tout de suite dans la conception, ça n'a pas été pensé pour cela au départ, sont arrivées les questions, mais finalement, est-ce qu'on pourrait profiter sur un linéaire, par exemple, là où l'un qu'on représente par la suite, sur un kilomètre, ça peut être intéressant d'avoir une fréquentation dans cette trame qu'on va reconstituer. Et là, on commence à changer de vocabulaire, quoi. De l'hydraulique pure, on bascule en trame verte, trame bleue, on intègre ça à l'agenda 21 des communes. Et donc, nous, avec notre casquette uniquement syndicat de rivière, on doit aussi apprendre à travailler en interface avec d'autres acteurs, d'autres vocabulaires qui sont plus empruntés alors aux infrastructures connexes, certes, mais aussi au cadre de vie, etc. Donc, au-delà de l'élargissement, malheureusement, l'élargissement, même s'il est assez ambitieux, puisqu'on a plus d'une centaine d'acquisitions foncières menées sur ces projets-là, ne suffit pas pour faire passer notre objectif de Q30. Donc, on est obligé de compléter avec des endiguements longitudinaux sommet de berge. Alors, il y a les deux cas de figure. Quand c'est sur la partie gauche là, de la coupe type, ça c'est quand on a un peu de place, évidemment, on essaie de travailler avec des digues en terre qui sont moins coûteuses et mieux intégrées, mais la plupart du temps, on n'a pas cet espace disponible, on a une maison directement ou une route, etc. Et donc on travaille et on doit l'assumer, j'ai bien aimé le terme tout à l'heure, c'est un peu la même chose, on assume un endiguement parce que d'abord ça fait partie de notre fonction recherchée pour la protection contre les crues, donc ce sont des systèmes d'endiguement déclarés GEMAPI, hein. Qui sont construits dans les règles de l'art avec études de danger à la clé. Donc, on a tout un appareillage de berges pour démontrer la fonction de digue de ces ouvrages-là, même si une fois que le site est refermé, on devine avec cette coupe, en surface, ce n'est pas très spectaculaire. Hein, c'est des ouvrages en génie civil qui font entre 1 mètre et 1,20 mètre de hauteur. Donc, ça s'apparente finalement à un mur riverain de fond de propriété. Mais par contre, on a bien un traitement de résistance mécanique aux érosions, aux débordements, etc. Donc, ça veut dire qu'on assume complètement l'idée d'avoir une berge subverticale très minérale, mais ça nous permet évidemment de gagner un peu plus d'espace. C'est un peu le même esprit que, je crois, pour une présentation de restauration de bassin tout à l'heure. Ça nous permet de gagner un peu plus d'espace pour faire notre génie écologique dans la partie élargie. Je crois que j'ai à peu près dit tout ça, donc je vais passer rapidement. Alors, des éléments de timing, tout ça, et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses avec un regard actuel et des évidences qu'on n'avait pas à l'époque, on serait allé probablement un peu plus vite, mais cette définition partagée du projet, elle a pris une quinzaine d'années, et les travaux ont démarré en 2012 et se sont réalisés sur une petite dizaine d'années jusqu'en 2020, même 2021 maintenant. J'ai parlé des propriétés foncières, bon, je passe, donc effectivement, alors on pourra y revenir dans les questions, mais on a travaillé sur une centaine d'acquisitions. On a, on va dire, 75% d'acquisitions amiables. Évidemment, ce sont les plus faciles. Hein. Le problème, c'est l'équité de traitement, parce que là, il y a une lecture technique. Lorsqu'on travaille un méandre ou un extra d'eau de berge, bah, c'est plus logique de prendre chez le riverain A que chez le riverain B, et ça, il faut l'expliquer. C'est-à-dire que nous, évidemment, on raisonne avec le fonctionnement de la rivière et on ne raisonne pas avec un trait équidistant entre chaque propriété riveraine. Donc ça, c'est assez dur à porter. Ça veut dire qu'évidemment, les 75% amiables, il n'y a pas grand mérite. C'est quand on ne prenait pas grand-chose. C'est des bandes de terrain, en fait. Donc, on grignotait 1 mètre, 2 mètres dans un fonds de propriété. Mais quand vous avez un jardin de 200 mètres carrés, si vous enlevez 2 mètres sur les 15 mètres de propriété, vous enlevez déjà 30 mètres carrés. Donc, ce n'est pas anodin en termes du fruit et de jouissance et de valeur vénale derrière du bâti, puisqu'on est sur du résidentiel assez prisé, évidemment. Donc les 25% restants, c'est des cas un peu plus difficiles qui sont allés à l'expropriation foncière, au jugement, et parfois avec du contentieux. Donc voilà, donc on a tous les cas de figure, évidemment, sur des projets de cette ampleur, et il faut l'intégrer dans nos plannings de réalisation. Donc je vous présente maintenant en photo les deux projets. Le réaménagement de cours d'eau donc à Oulin, donc, il y a la première question, c'est la question du donné à voir. Donc l'image de référence, c'est celle-ci, l'état initial que vous avez. Donc là, on avait une passerelle qui déjà était un petit peu architecturée. Et puis notre lit, notre collecteur d'assainissement en rive gauche, notre belle cunette béton. Mais vous voyez que les berges n'étaient pas accessibles spécialement et on incitait les gens à se promener sur l'encorbellement.
Donc, le premier sujet, ça a été de, même si on n'a pas fait de la co-construction, on a quand même fait, je le disais, de l'information publique, de donner à voir un petit peu, de manière réaliste, ce qu'on pourrait essayer de faire. J'en parle parce que ce n'est pas anodin. Autant vendre un rond-point, enfin vendre, le terme n'est pas le bon, mais présenter le réaménagement d'une place, d'un bâtiment, d'un rond-point, on a des cabinets qui savent assez bien maîtriser ce genre d'images graphiques. Autant travailler du génie végétal, donner des rendus de végétation, travailler avec les bonnes références, les bonnes images de palette graphique de référence, donner ces aspects de courant, de zone lentique, de zone lotique, de dépôt de galets, gravier, etc. C'est pas simple, donc nous on a pas mal investi avec des prestataires là-dessus pour qui étaient motivés pour se former aussi à ça. Et l'idée était de donner une image évidemment qui faisait envie, hein, mais qui était quand même assez parlante pour dire voilà, quand on dit qu'on va enlever la cunette béton, ça ne va pas être liseron foufou, herbe folle complètement. Enfin, il a fallu un moment qu'on reprenne un peu notre copie en ce sens-là, parce qu'on sentait qu'on partait sur une voie qui était un peu anxiogène. Donc, on a essayé d'apaiser un petit peu la vision, la projection à travers ce genre d'image. Donc, l'état projet duquel on est parti. Et lorsqu'on est en phase travaux, donc là, c'est un des tronçons. Hein, on fait partie du kilomètre 5 là, qu'on a, sur lequel on est intervenu. Donc, je vous repère l'image de référence pour l'avoir en tête. Phase travaux, on commence, c'est du terrassement, hein, évidemment, du classique. Alors, il y a la problématique de travailler au sec, puisque qui dit travaux en rivière urbaine, évidemment, on ne peut pas trop dévier les eaux. Donc là, on travaille en période estivale, il se trouve qu'on a des assecs assez importants sur ces rivières, mais on doit quand même buser, canaliser, donc c'est des contraintes de travaux assez fortes. Et puis, vu que là, on est en déblais pur, hein, puisque je dois doubler la largeur de mon lit, je ne suis pas à l'équilibre de mes déblais remblais, il faut que j'évacue ces matériaux. Et évacuer les matériaux quand on n'a pas la place, ce n'est pas facile. Il faut des pistes d'accès, des pistes d'évacuation. Il y a la fameuse noria de camion, le réseau vière, on est sous les fenêtres des gens, donc il y a ces contraintes chantier à gérer. Et en l'occurrence, là où je veux en venir, c'est que là, on a dû rechercher, et on a eu l'opportunité, c'était intéressant, une plateforme, un peu une base arrière, qui était située à moins d'un kilomètre, dans une ZAC un petit peu en friche. Donc on a pu louer un terrain pendant toute la durée des chantiers, un terrain d'un hectare, pour faire notre base repli et traitement des matériaux. Traitement à la fois pour la revalorisation, puisqu'on a enlevé du béton, il fallait le cribler, le concasser, pour traiter les espèces invasives, puisqu'on a fait aussi du criblage, concassage de terres polluées par des rhizomes de renouée. Donc tout ça, c'est des suggestions, là je suis très dans le technique, dans le chantier, mais qu'il faut avoir en tête en tant qu'aménageur, parce qu'on sort de la coupe type là, hein. C'est aussi des contraintes purement de mise en œuvre et de chantier. Donc, on continue d'élargir et là, on commence à poser les fondations de nos ouvrages génie civil. Donc, vous voyez que les semelles et l'aspect mur béton armé est très important. Ensuite, on a commencé à intégrer, on a beaucoup travaillé avec les cages gabions, à la fois parce que c'est économiquement et techniquement assez intéressant et en termes paysagers, il y a un architecte paysager qui a accompagné notre maître d'œuvre là-dessus. C'est une transition assez intéressante entre des murs génie civil et une partie un peu plus, on va dire, naturelle, revégétalisée d'une berge. Il y a l'aspect un peu pierre agencée, mur en pierre sèche sur ces cages gabions en travaillant sur des gabions souples, là en l'occurrence. Je parlais des crues, il faut composer avec les coups d'eau pendant la phase travaux. Et puis vient ensuite le lot un peu de restauration génie végétal. Alors là, vous allez me dire, effectivement, ça reste très jardiné, ça reste très, très ingénierie, hein, mais au départ, les entreprises, il a fallu aussi qu'elles se forment à tirer des berges, pas forcément au cordeau, à donner une certaine sinuosité. Et on essaye de travailler avec des ouvrages de diversification, alors issus du génie végétal, hein, mais... L'idée, c'est de recréer un peu des obstacles, des zones pour travailler sur le triptyque, zone lentique, zone lotique, granulométrie, de fine à grossière, et mouille, hein, les hauteurs d'eau, du petit radier jusqu'aux fosses un petit peu plus préservées. Donc au départ, là, on est encore en phase de finalisation, on met en place, par exemple, des souches mortes, hein, mais uniquement pour créer un peu du... parce qu'on repart d'un milieu à zéro, donc on n'a plus de berge, on n'en avait pas avant, hein, mais on n'a pas de cache sous berge, on n'a pas de racines, donc il faut un peu qu'on triche avec ça. Et on compte beaucoup sur la nature. Et là encore, cette photo, elle est après juste un cycle végétatif, donc ça, c'est moins d'un an et demi après les travaux.
Donc, on voit qu'il y a eu juste quelques petits coups d'eau morphogènes. On ne voulait pas des grosses inondations, ça tombait très bien. Des grandes crues, donc les fameuses petites crues annuelles, biennales, qui ont refaçonné, enfin permis à la rivière de s'approprier ce nouveau substrat, de le refaçonner, de casser la linéarité. Et puis, le génie végétal, il a les pieds dans l'eau, il y a beaucoup de luminosité, donc il a tous les ingrédients pour s'exprimer. Donc ça, ça a été assez intéressant. Et si on revient sur l'image d'avant et l'image d'après, et encore, ça c'est une image, vous voyez que les fascines sont toutes jeunes, hein, c'est vraiment une photo post-travaux, les cordons de saule l'ont à peine repris. Et quand je reviens à mon image graphique, hein, initiale de référence, on voit qu'on n'était pas trop mal, on n'était pas trop loin de ce rendu. Et ça nous a quand même donné de la crédibilité, puisque c'était le premier site à cette échelle-là sur lequel on se testait, parce qu'on en a parlé pendant longtemps, donc on avait suscité beaucoup d'attentes. Mais donc le fait aussi d'avoir été assez réaliste dans ce qu'on avait annoncé nous a aussi facilité la suite du projet, puisqu'ensuite on est remonté sur les autres secteurs, sur les autres communes plus en amont. Un autre, je passe un peu plus rapidement, là, est-ce que c'est les mêmes commentaires, hein, finalement, mais c'est un autre site. Donc là, on a gagné, le cours d'eau descend vers nous, donc sur la rive droite, on a gagné sur un espace de parking, hein, de voirie. Donc là encore, hein, vous imaginez les discussions auxquelles on n'était pas, nous, spécialement formés. Il a fallu faire des simulations, des modélisations, on supprime X places, comment elles se reportent dans le quartier, et puis attention, il y a le marché, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Donc là, on a beaucoup travaillé avec la commune, Et la métropole de Lyon qui a repris ensuite le projet de voirie en conséquence un peu de ce qu'on avait impulsé avec le projet de rivière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les deux cas que je vous présente, et ça sera le cas aussi pour le suivant, c'est finalement l'entrée restauration de cours d'eau qui a impulsé derrière d'autres projets d'urbanisme, d'aménagement de cadre de vie, notamment de voirie, pour requalifier des voiries en boulevards plus urbains, plus apaisés, pour intégrer enfin les fameuses noues végétalisées, garder le milieu récepteur des eaux pluviales, mais à travers quand même une gestion un peu moins tuyau, pour faire le lien avec l'intervention précédente. Et ça, ça a été, je trouve, encore une fois, c'est facile à dire après coup, mais une intelligence un petit peu de projet collectif, parce que derrière, tous les acteurs, depuis à commencer par les décideurs, bien sûr, les élus qui ont joué le jeu, et derrière les services qui ont travaillé ensemble pour faire des projets cohérents l'un envers l'autre. Donc là, je reviens à ma photo et à mon déroulement de travaux. Donc on commence par supprimer la partie de voirie, et puis pareil, on élargit, on crée nos endiguements. On travaille avec, au départ, on ramène du matériau, donc nos matrices de galets, etc. Et on les met en place avec des phénomènes un peu classiques de déflecteurs, de pincements. Et c'est marrant, je crois qu'il y a une vue aérienne sur Google Maps qui correspond à un moment à ces travaux-là. Et en fait, on se rend compte que les entreprises, elles ont fait ce qu'on leur demandait. On dirait presque un tatouage tribal. C'est hyper régulier. Il y a une régularité dans la géométrie de ces bancs. Qui est assez rigolote et qui n'a pas duré longtemps, heureusement, puisque là encore, la rivière a assez vite remanié un petit peu ces bancs qu'on voulait érodables. Hein. Je le disais, on assume des berges très minérales, subverticales, elles ne doivent pas bouger, d'abord parce qu'on a toujours notre collecteur sur un côté et puis nos ouvrages de protection sur l'autre. Mais du coup, ensuite, on donne un peu un espace, un terrain de jeu, on va dire, au cours d'eau, dans ce petit lit majeur. Je ferai hurler les anciennes théories R1, R2, R3. On n'est pas du tout dans de la restauration de grands espaces de fonctionnement du cours d'eau. Ça reste une masse d'eau modifiée, mais quand même, on lui redonne un potentiel. On est bien dans l'esprit de la DCE là-dessus, quoi. Et donc, vous voyez que ça, là encore, ce sont des photos qui ont un an et demi après aménagement. Donc, assez vite, alors là, on est déjà un peu à l'étiage, mais assez vite, on voit que le substrat se... Il y a le tri granulométrique qui se fait, les saules se développent et ça nous suffit puisqu'on veut juste en fait une strate arbustive, puisque l'idée, ce n'est pas d'occulter ce lit qu'on a gagné pour une section hydraulique. Donc là, il y a un curseur à trouver entre l'enjeu hydraulique, et c'est un peu comme l'histoire du bassin qui se sédimente tout à l'heure, et l'enjeu écologique. Évidemment, la casquette purement écologique... nous inciterait à laisser faire, ça s'engraisse, le génie végétal démarre, piège des sédiments, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, sauf que, évidemment, nous, on va être en gestion derrière un peu interventionniste pour contenir une section d'écoulement
dans laquelle, évidemment, en termes de modélisation, on avait intégré des strickler, des coefficients avec une certaine végétation. Et donc, il faut qu'on contrôle notre strate arbustive. Donc, on reste sur de l'arbustif. Ça nous suffit puisque notre cours d'eau n'étant pas non plus très, très large. Un cordon arbustif qui monte à 4-5 mètres suffit à faire une ombre au miroir, une ombre portée qui peut couvrir tout le cours d'eau et donc lutter contre le réchauffement. Donc, c'était un petit peu l'esprit de notre conception. Je surveille le temps. Donc là, c'est un autre tronçon. Alors, pour vous dire comme on assume, c'est que là, on a carrément... On ne pouvait pas terrasser puisqu'il y avait des réseaux d'assainissement un peu de partout et des voiries un peu de partout. Donc là, vous voyez que la phase travaux, on a encore notre cunette béton et on est venu mettre en place des pales-planches, donc les fameuses pales-planches. Donc là, c'est du très, très lourd hein, en matière de génie civil, sur le terrain en place, puisque, encore une fois, les terrains n'allaient pas tenir. Si on commençait à ouvrir, on allait trop se rapprocher des infrastructures, notamment d'assainissement. Donc, on fiche nos pales-planches dans le terrain en place, et ensuite, on vient, c'est la photo suivante, en bas à droite, on vient décaisser dans nos deux rideaux de pales-planches qui ont été fichés à 9 ou 11 mètres de profondeur de fiche à cet endroit-là. Donc, bien sûr, on a un mouvement de nappe, là, en plus, qu'il a fallu intégrer, donc on a ajouré nos pales-planches sur la partie souterraine pour pas qu'elles isolent les gradients hydrauliques de peu de nappes d'accompagnement en plus qu'on a sur ces cours d'eau. Et donc, on continue de dérouler nos travaux. Alors ensuite, il y a un traitement paysager de nos pales-planches. Et là, en l'occurrence, on a adapté finalement une technique de soutènement qui est celle des pales-planches à une fonction également d'endiguement étanche. Donc, il y a eu pas mal de débats sur les histoires de couvertines, de joints, etc., etc. Mais on a pu là faire d'une pierre deux coups, soutènement qu'on laisse émerger et qui contribue directement à l'endiguement étanche. Donc ensuite, il y a notre traitement paysager en gabion et en différentes séquences. Et puis, le cheminement que l'on crée à chaque fois. Donc, cheminement rustique qui a vocation à être inondé, évidemment. Il y a une signalétique qui va avec pour expliquer la vocation du site. Et c'est un site peu ou non entretenu, en tout cas pour la lecture du riverain, et surtout qu'on n'est pas très loin d'un parc public type arboretum, là au contraire, hyper entretenu, espace vert, au cordeau, etc. Donc il a fallu communiquer, mais ça s'est plutôt bien passé avec les usagers, sur le fait que non, là, il y a un coup d'eau, bah oui, ça dépose, alors on enlève malheureusement tous les déchets qui sont déposés, je ne vous fais pas de dessin par les déversoirs d'orage, évidemment, les plastiques, etc., et autres cadeaux. Mais par contre, les petits amas, le fait que les fascines se soient un petit peu couchées, se soient un peu déplumées, ça, on le laisse en place et on dégage juste le cheminement pour rétablir l'usage. Et finalement, ça a été assez vite adopté. Bon, il y a la problématique des ouvrages traversants, mais j'en reparle pas là. Là, c'était en phase travaux. Donc, vous voyez, au départ, hein, alors retenez pas le grillage. Là, c'était juste pour retenir des rhizomes de renouée qui venaient en amont. Mais au départ, ça reste, je le disais, un peu jardiné, quoi, hein. On a une lecture. Là, c'est pas très, très cohérent. Donc, il faut attendre un petit peu que la végétation et la rivière reprennent un peu ses droits sur ces aménagements. Et alors ça, on ne l'avait pas cherché, je vous promets que ce n'est pas triché, mais c'était une zone évidemment non pêchée, totalement abiotique depuis longtemps. Et il y a eu un appel, alors un phénomène d'appel, les travaux ont été réceptionnés en 2015, qui était une année assez hydraulique. Donc là, ça valait le coup, malheureusement, depuis 2017, on va dire, on a des assèques très très sévères. Et du coup, la pêche est un petit peu retombée, mais c'était assez drôle parce que ce n'était pas forcément recherché. Et il y a une image un peu symbolique qu'on a retrouvée sur ce cours d'eau à cet endroit-là. L'autre aménagement, il me reste 10 minutes, c'est celui de ce qu'on appelle la RD42 à Sainte-Foy-les-Lyons. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Là, c'est du caractéristique aussi, hein, du classique des années 70. On avait un certain réseau vière, hein, avec des maillages. Là, on est juste en amont du secteur précédent. Et on avait l'Iseron qui s'écoulait avec un petit méandre dans ce bourg de Bonan à cet endroit-là. Et puis, on est venu construire une espèce d'autoroute en ville. Alors, je ne commente même pas l'aspect cadre de vie en termes d'urbanisme. Bon, c'était d'autres choix, hein, d'autres critiquons ce qu'on fait maintenant, hein, donc un peu d'humilité là-dessus. Mais effectivement, on est venu contraindre le cours d'eau, donc le rescinder sur plus de 500 mètres linéaires et réduire sa largeur, artificialiser les berges et créer des seuils qui devenaient infranchissables. Donc, les conséquences, c'est l'aggravation des inondations. Donc, la photo, c'est celle-ci. J'ai ma 2x2 voies.
L'Iseron, vous ne le voyez même pas, il est sur la droite de la photo, là, complètement rectifié. Et puis, ce qui devait arriver arriva lorsque les crues, là, c'est la crue de référence de 2003, qui était une crue trentennale, l'Iseron reprend son ancien lit et donc vient inonder cette voirie qui est une voirie stratégique. C'est la seule voirie grand gabarit ouest lyonnais. Donc, ça pose des vrais problèmes aussi de desserte, y compris en matière de gestion de risque inondation. C'est ça qui est assez cocasse. C'est que derrière, on a aussi des problèmes d'accès et de secours pour la mise en œuvre des PCS qui ne sont plus possibles du fait de cette inondation. Et puis, les autres images, c'est que quand on est à l'étiage, là, c'est un peu miséreux, puisque donc, c'est que de la renouée, des seuils qui deviennent infranchissables, des enrochements plus ou moins liaisonnés au fil du temps. Et donc, un milieu également très, très dégradé. Donc, le projet, c'est toujours les mêmes coupes types. Hein, on n'a pas pu, on le voit sur la photo aérienne, on devine l'ancien méandre, il était ici, on s'en rend encore un peu compte. On n'a pas pu, ça devenait trop compliqué d'être aussi ambitieux et de reméandrer à cet endroit-là. Donc, on est resté sur la linéarité sur ces 500 mètres de rivière. Par contre, et c'est quand même assez symbolique, redonner un peu ses droits au cours d'eau, on est venu, et c'est souvent en sens inverse, donc là, c'était quand même assez fort de le marquer comme ça, parce que ça reste un petit cours d'eau, on est venu supprimer une des doubles voies de circulation qui avait été faite dans les années 70. Et on fait ça, finalement, 30 à 40 ans après, donc c'est un peu faire pour défaire. Mais donc, la coupe, alors c'est un peu petit, mais le pointillé, c'est ma section trapézoïdale initiale, avec là ma plateforme de chaussée, avec ma deux fois deux voies. Eh bien, l'idée, c'est de décaisser complètement sur la rive droite, parce qu'en rive gauche, non seulement j'ai un vestige, j'ai un aqueduc gallo-romain, donc on ne pouvait pas élargir sur la rive gauche. Et puis, y avait cette volonté un peu symbolique de revenir sur la voirie. Et du coup, là encore, comme je l'évoquais sur le cas précédent, en l'occurrence, la métropole de Lyon a complètement enchaîné et repris un projet purement d'infrastructure routière pour supprimer en plus cette autoroute en ville qui était assez affreuse, pour en faire un boulevard apaisé. Les travaux sont en cours actuellement. Donc, je rappelle l'état initial, hein, et là, je vais juste défiler des photos et on va terminer la présentation comme ça, parce que je vois que l'heure tourne. Donc, des bretelles d'accès avec des murs de soutènement très importants, des sabots bétonnés. Même sujet, l'histoire de la vue paysagère un petit peu parlante. Donc là, on devine un peu notre aqueduc. Et puis l'idée, c'était de rendre aussi une nouvelle passerelle à faire et toujours un cheminement un peu rustique, puisque là, on est le long d'une infrastructure publique. Donc, première étape de l'été 2018, c'était l'enlèvement de la passerelle et puis les fouilles archéologiques et les déviations de l'assainissement. Je passe un petit peu vite. L'aqueduc gallo-romain était soumis à des fouilles, évidemment, par la DRAC, puisque le fait de terrasser, les archéos s'intéressaient aux fondations qu'on allait pouvoir retrouver des piles disparues de cet aqueduc. Donc, ça a été une aventure aussi assez intéressante. Donc, on retrouve ces éléments à cet endroit-là. On ne fait pas ça tous les jours. Donc, nous, ça a été aussi, en termes de culture métier, assez enrichissant de travailler avec les archéologues là-dessus. On a pu mettre à nu les fondations des anciennes piles. Il y a eu pas mal d'apports archéologiques sur les techniques de construction des Romains de l'époque. Bon, je passe, ce n'est pas l'objet de l'intervention, mais c'est un peu le clin d'œil sympa aussi. C'est que ça a été des moments humains assez intéressants. Et notamment, on le devine ici, il y a eu la découverte d'un coffrage perdu, donc d'un coffrage qui était dans l'eau depuis 2000 ans, qui a permis d'être daté, etc. Donc voilà, donc ça a été une première entrée sur l'ampleur des fouilles sur ce chantier-là qui était assez sympathique aussi assez pour nous. Et puis ensuite, on a été sur le terrassement. Donc, il a fallu supprimer une voie déjà pour la dédier aux travaux. J'ai toujours continué à exploiter la parcelle basse arrière pour traiter les matériaux. Et là, on est descendu à chaque fois par passe pour grignoter sur la voirie. On a des riverains quand même en rive gauche qu'il fallait aussi protéger par des endiguements. Et là, c'est du lourd puisqu'on utilise... Alors, la berge rive droite n'est moins une berge de rivière qu'un mur de soutènement de... Martin, je sais qu'il reste 5 minutes. Un mur de soutènement de voirie, donc c'est une paroi clouée. Donc là, avec des descentes de charges, etc. Donc, on est plus sur de la technique quasiment routière que de la technique de cours d'eau. Mais là encore, le terme de, il faut l'assumer parce que ça nous a permis, bien sûr, de gagner sur un autre volet ensuite. Donc là, on commence à démolir aussi les anciens ouvrages en béton, les anciens sabots
en béton, les bretelles d'accès, et à mettre en place notre paroi clouée et projetée au béton. Bon, la photo est difficile à lire, c'est pour vous dire, c'est que là, on doit quand même maintenir la rivière dans son lit et puis travailler pour élargir côté voirie en parallèle. Donc voilà, des phases travaux assez lourdes. Je passe un petit peu vite sur ce volet purement génie civil. Et là, voilà, c'est pour voir. Donc on a commencé à dessiner notre futur cheminement. On a un double mur de soutènement, en fait, c'est des histoires de paliers. Bon, c'était pour des questions purement géotechniques. Et puis ensuite, on devine les clous là, à cet endroit-là, les tirants, et on continue de terrasser notre lit de rivière. Alors, ce n'est pas facile, il faut faire un petit cordon et isoler. Là, on est en phase hivernale, la rivière de son côté, et travailler en épuisement de fouilles, puisqu'on descend au fur et à mesure notre paroi clouée. Ça, c'est une vue un petit peu différente. On voit qu'on a déjà fait notre soutènement ici, notre voirie est sur la gauche, et on commence à attaquer en parallèle la berge plus privative. On retrouve là un vocabulaire de pavillonnaire pour venir élargir et endiguer la partie rive gauche. Donc voilà, et on voit qu'on détruit, on grignote des anciens murs au fur et à mesure pour gagner du terrain, élargir et faire notre protection de berge. Pêche électrique de sauvetage en phase travaux, puisqu'on a eu une interruption hivernale. Donc là aussi, c'est assez atypique pour les opérateurs de pêche scientifique dans ce contexte d'intervention. Là, je passe rapidement, c'est une adaptation, on a battu forêt des pieux, on passe en paroi clouée en paroi berlinoise, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Thématique renouée du Japon, évidemment, à gérer. Je pourrais en reparler en questions diverses si besoin, mais je l'ai déjà un peu évoqué. Là, on a profité des capacités d'excavation pour faire du criblage concassage et vraiment évacuer la question de la renouée sur ce site-là. Des coups d'eau en phase travaux, toujours, hein, qui viennent un peu même malmener nos berges. On continue notre soutènement avec les histoires de clous tirantés. Je passe un peu vite. Le trommel, ça c'est pour le criblage concassage de la renouée du Japon, donc c'est sur notre base annexe, voilà, et on fait des essais pour vérifier si on a suffisamment broyé, déchiqueté les rhizomes ou pas. Donc ça, c'était des techniques qu'on avait déjà paramétrées sur les chantiers précédents. Et là, on commence à avoir une lecture un peu, voilà, de ce nouveau lit, ce nouvel espace, on va dire, dédié au cours d'eau. Là, c'est encore évidemment très, très terrassement génie civil, avec le soutènement de voirie qui s'est fait sur la rive droite. L'utilisation de matelas Reno cache-gabion souple en sous-berge. Lorsqu'on ne pouvait plus pas purger la renouée, on travaille, alors c'est un pis-aller, hein, on n'est pas convaincu de ça parce que ce n'est pas biodégradable du tout, et pour cause, on vient en bâchage avec des géotextiles anti-migration étouffer la renouée, sur laquelle ensuite on vient mettre nos matelas. Donc c'est discutable, hein. On a fait plusieurs planches d'essai avec des bâches biodégradables, mais ça marche moins. Mais voyez, là, on n'a pas pu purger puisqu'on allait déchausser le mur. Donc on sait qu'on a encore des rhizomes, donc on met nos géomembranes anti-migration et par-dessus, on pose nos matelas. Voilà, le site continue de prendre forme et j'en termine avec la partie plus, on va dire, génie végétal. Donc, vous voyez, hein, ma paroi, elle est aussi habillée en gabion. On a gardé la même lecture paysagère que le site précédent, mais ça reste assez violent, hein, puisqu'évidemment, hein, on soutient une voirie qui est assez perchée, avec des descentes de charge tout tonnage importantes. Et donc, dans cet espace-là, on est venu faire ensuite nos petits déflecteurs, nos épis en souche morte, nos futures fascines, nos bandes galets gravier, à composer un petit peu avec des coups d'eau aussi en phase travaux. Vous voyez que ce n'était pas facile pour les entreprises de travailler. Elles travaillent un peu dans un mouchoir de poche pour la partie génie écologique. Ça continue un petit peu de prendre forme, ce lit diversifié. Et là, on en est un peu à cette époque que j'évoquais sur le site précédent où il n'y a pas encore eu les coups d'eau trop morphogènes. Donc, ça reste pour l'instant assez géométrique, mais on s'appuie sur les REX des sites précédents pour être assez confiant sur le fait que tous les ingrédients, bon, ça c'était la repose de la passerelle, tous les ingrédients sont là au niveau de la rivière pour qu'elle retrouve un lit fonctionnel. Ça, c'était un petit coup d'eau qui est venu arracher notre terre végétale sur les matelas gabion, donc il y a eu quelques reprises. Bon, ça c'est les thématiques travaux en rivière. Là, on devine notre cheminement qui est ici. Je sais que l'heure est terminée, donc je vais vite. Hop.
Et voilà, là, c'est une photo. On en est là aujourd'hui, donc ça commence à redébourrer, à repartir. Toutes les boutures ne sont pas encore reparties. Notre cheminement rustique a été posé. Et maintenant, on compte sur le cours d'eau pour reprendre un petit peu ses droits. Voilà. Alors, on a les thématiques d'étiage, hein, toujours, qui sont importantes. Ça, c'était en fin d'année dernière. Et voilà, ça, c'est une photo assez récente. Donc, on voit que ça commence un peu à prendre une forme à nouveau intéressante à cet endroit-là. Voilà, ma diapo de conclusion. Les enjeux écologiques, dans ces projets-là, c'est bien sûr qualité des milieux. La thématique, c'est la lutte contre le réchauffement avec la restauration de faciès lotiques rapides, ombrage et végétalisation. Les contraintes spécifiques, c'est à l'inverse les étiages, avec un stress hydrique pour le génie végétal et qui est accentué dans notre cas par l'ensablement, parce qu'on a une matrice sédimentaire assez fine là-dessus. Les ouvrages hydrauliques, ça c'est le sujet plus EDD et contraintes fortes de fondation et d'entretien futur et d'accès aux ouvrages. Et puis j'en ai un peu parlé, le fameux entretien futur de ce génie écologique avec le respect des contraintes hydrauliques. Donc c'est le problème de l'ensablement qui est favorisé par le génie végétal. Donc, il faut trouver le bon curseur entre l'efficacité hydraulique et écologique. Et c'est important de bien cadrer l'entretien dans des conventions de gestion entre les différents acteurs, puisque nous, on va faire la partie gestion rustique. Mais il ne faut pas que ceux qui aménagent l'espace vert à côté viennent, par excès de zèle, passer au rotofil nos fascines parce qu'ils trouvent que ça fait plus propre. J'en parle parce qu'évidemment, c'est arrivé. Donc, c'est des choses, le végétal, heureusement, est résilient, mais c'est des choses qu'il faut bien cadrer. Et pour finir, donc voilà, l'enjeu usager, c'est qu'après de nombreuses années d'attente, voire d'incompréhension sur les délais de protection, parce que l'enjeu, c'était bien la protection, on a un retour qui est maintenant très, très positif des usagers sur ces premiers sites, qui confessent avoir sous-estimé, notamment les riverains au départ, la complexité et l'ampleur de ces chantiers. Hein. C'était le fameux « il n'y a qu'à Faucon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ces travaux, pourquoi ça prend autant de temps ?» Quand ils ont vu voilà, la complexité des chantiers, il y a eu un petit peu un retour en arrière là-dessus. Et puis, c'est confirmer le grand intérêt apporté par ce volet de restauration. Évidemment, j'en ai parlé, un support d'aménagement aussi pour le cadre de vie dans un tissu urbain qui souvent a été dégradé. Donc, c'est l'idée de passer de notre rivière qui a été subie avec une image assez négative à une rivière qui devient atout du cadre de vie. Et puis, pas oublier l'importance des suivis, opérations pilotes, donc des suivis de l'évolution des milieux sur les paramètres physiques, biologiques et humains, parce qu'il y a aussi la perception sociale qui est assez intéressante à appréhender sur ce type de projet. Et je vous remercie de votre attention. Parfait, merci beaucoup Stéphane. On va pouvoir prendre une dizaine de minutes de questions. Alors, il y en a deux que j'ai regroupées qui sont plutôt d'ordre technique et de demandes de précision. La première, c'était sur les digues qui étaient présentes sur ces travaux. Est-ce que ce sont uniquement des digues domaniales ? Domaniales, c'est-à-dire, en fait, ce sont des. C'est un système d'endiguement qu'on est en train de définir au sens de la GEMAPI, donc des constructions neuves, et dont on est gestionnaire GEMAPIEN avec la maîtrise foncière. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et bon, je vais laisser Margot Lanry prendre la parole ou demander des précisions par le chat et passer à la seconde question de Betty Cachot sur les travaux le long de la route départementale, sur leur prise en compte. Est-ce que ce sont le département qui a réalisé ces travaux ou c'est le SAGER qui a pris en charge les travaux présentés ? Alors, non, c'est une bonne question. Le département, pendant longtemps, a timidement il était signataire du contrat de rivière, donc il n'a pas eu le choix. Ça, c'est les doubles casquettes de ce genre de partenaires institutionnels, c'est qu'ils sont à la fois financeurs et maîtres d'ouvrage d'infrastructure. Donc, le département, au départ, n'était pas très, très motivé pour qu'on vienne grignoter sa voirie. Mais bon, ça a été dilé. Bref, c'était un peu long. Je ne refais pas l'histoire, mais toujours est-il qu'il a, du bout des lèvres, consenti à ce qu'on vienne empiéter sur sa voirie. Mais par contre, il n'avait absolument pas intégré derrière tous les travaux connexes et il n'y avait aucune volonté de faire là-dessus. Donc, nous, c'était un peu frustrant parce qu'on se disait, mais OK, on va restituer une espèce de bande ni faite ni à faire au niveau de la voirie, de la bande de roulement. Et puis, il y avait des suggestions même de maîtrise d'ouvrage. Il fallait reprendre la signalétique, il fallait reprendre, des choses qui sont vraiment propres au vocabulaire d'infrastructure routière. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Donc, ce qui nous a sauvé, c'est la création de la métropole de Lyon, puisque, en l'occurrence, là, elle a, pour ceux qui, la plupart peut-être
ont suivi ça. Il y a une particularité chez nous, c'est que la création de la métropole, ça a été l'absorption par la communauté urbaine de Lyon du département du Rhône sur le territoire qui était commun aux deux institutions. Bref, c'est passé dans le giron de la métropole de Lyon qui, du coup, elle a eu, pour le coup, une volonté totalement différente et forte de profiter de l'aménagement du cours d'eau pour requalifier complètement cette voirie. Et c'est elle qui a pris le relais et donc c'est elle qui a la maîtrise d'ouvrage. Donc, on a des conventions de co-maîtrise d'ouvrage pour des facilitations de chantier, par exemple les passerelles, le soutènement de voirie. C'est nous qui le réalisons, mais finalement, on lui redonne en pleine propriété et en pleine gestion derrière, puisque nous, ce n'est plus notre sujet derrière. Donc, il y a eu ces interfaces-là. Mais effectivement, c'est bien, le syndicat de rivière n'a pas pris la compétence travaux de voirie complète. Hein. C'était que pour les infrastructures directement liées au cours d'eau. D'accord, merci pour ces précisions. Ensuite, encore une demande de précision sur l'élargissement de la section d'écoulement et du lit mineur. On parle bien par rapport à la cunette béton existante. Mmh. L'élargissement, et du coup, est-ce que tu as une idée de la largeur initiale naturelle de l'Iseron sur ces secteurs-là ? Est-ce que c'est des choses qui sont difficiles à estimer ? Alors, on a beaucoup de chance, c'est qu'on dispose sur l'Iseron de la première thèse de limnologie, avant même Vernot, dans les années 60, qui était la thèse de Madame Fiasson, qui était une thèse d'hydrobio, la première quasiment sur les eaux continentales faite à l'université de Lyon 1. Bon, ceci dit, dans les années 60, malheureusement, la cunette béton existait déjà, c'est ce que je disais, puisqu'elle existe depuis le début des années 1900. Mais par contre, ça nous a donné quand même, donc il y a des profils types établis dans cette thèse universitaire, ça nous a donné quand même des ordres de grandeur, effectivement, juste en amont, déjà de cortège végétal et de faciès un peu de berges sur les zones les plus préservées que l'on ait trouvées. Donc oui, on s'en est un peu aspiré. Et au final, le lit mineur était à peu près le même. Hein. C'est à peu près celui d'aujourd'hui, hein, on va dire 8-9 mètres de large. Donc après, c'est toute la question de cette fameuse bande que l'on restitue. Là où on a bien compris qu'on est sur un système de lit emboîté avec des berges subverticales et très dures. Donc c'est quand même malgré tout difficilement comparable. Mais la question est pertinente, c'est-à-dire comment trouver au départ, quand c'est des milieux qui sont aménagés depuis très longtemps, de quelle référence on peut partir. Donc là, on a pu s'inspirer et essayer de faire quelque chose en cohérence. D'accord, oui, j'imagine que ce n'est pas le cas partout, malheureusement, d'avoir ce genre de données. Pour continuer, je vais donner la parole à Olivier Vento pour poser directement sa question. Si vous pouvez activer votre micro. C'est bon, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Très bien. Moi, j'avais une question effectivement sur le retour d'expérience de ces différents aménagements hein, qui s'intéresse particulièrement à la bande active du cours d'eau et qui est la plus à même d'être mouvante au gré des crues. Oui. Et c'est, les ajustements morphologiques se font principalement et essentiellement dans cette bande-là. Sur votre retour d'expérience par rapport à ces aménagements, alors, est-ce que vous avez constaté, malheureusement, des dysfonctionnements qui ont entraîné des ajustements morphologiques de ces profils en travers ? Et dans un second temps, je voulais savoir comment ça se comporte par rapport au transit sédimentaire. On passe d'une section bétonnée qui fait office de toboggan par rapport aux sédiments à une section beaucoup plus rugueuse, même plus large, certes, donc avec des diminutions de vitesse beaucoup plus importantes et automatiquement une problématique transit sédimentaire différente. Donc, je voudrais savoir un petit peu par rapport au retour d'expérience de ces aménagements, parce que ça fait un certain temps, vous avez eu des crues morphogènes en plus de cela. Comment ça s'est comporté tout cela ? Merci. Je vous en prie, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, effectivement, je ne l'ai pas présenté là, mais notre premier site, c'était sur une commune à Charbonnières-les-Bains et on s'était rendu compte que déjà en termes de conception, parfois on s'était trompé ou en tout cas la rivière n'avait pas voulu faire comme on pensait qu'elle ferait. Donc à la question des ajustements, oui, il y en a eu, des ajustements post-travaux, d'où la nécessité de toujours maintenir des pistes d'accès dans ces territoires-là. Donc ce n'est pas toujours simple hein, parce qu'il faut maintenir des rampes. En zone urbaine, ce n'est pas forcément évident. Mais autant que faire se peut, on a réussi à le faire sur ces sites-là. Et heureusement, ça reste sur du génie écologique. Donc, c'est essentiellement des fascines ou des petits enrochements déflecteurs et autres qu'on est venu modifier parce que suite aux premières crues, là où on avait pensé imaginer un pincement à cet endroit-là, la rivière a désingué complètement
notre petite épi, et puis finalement elle a remis André là, etc., etc. Je parle là dans des espaces malgré tout contraints, mais c'est complètement l'esprit de ce que vous évoquez, cette bande active là. Donc oui, d'abord, peu de possibilités d'intervention. Mais ça, ce n'est pas très grave parce que démonter une fascine ou reprendre un épi, c'est 4 jours de pelle à chenille caoutchouc qu'on peut faire descendre, donc sans trop impacter le cours d'eau. Bon, c'est un bilan carbone de chantier qui est acceptable et ce n'est pas coûteux. Donc heureusement, la végétation, alors il ne faut pas le faire pour le plaisir parce que c'est quand même des coûts de fonctionnement, mais on peut faire et revenir derrière, défaire ou refaire à petite échelle. Donc ça nous est arrivé sur le site d'Oulin que vous avez vu en photo, où là on s'était trompé, il y a une section qui est assez contrainte sous la passerelle là, que vous aviez vue. On pensait que c'était suffisamment en aval, pareil, un pincement. Et en fait, il était trop proche de cette section contrainte, ça faisait une espèce de venturi. Et ce pincement a rempli, engravé dès la première crue morphogène, plein bord, quasiment tout le lit de limon, enfin de gravier. On est sur une matrice un peu sablo-graveleuse à cet endroit-là. Donc là, on a attendu le premier étiage. Je le disais malheureusement, hein, mais on est à sec complet depuis plusieurs années et quasiment tous les ans à cet endroit-là. Donc c'est l'intérêt, c'est que pareil, hein, en plein mois d'août, on peut faire descendre notre petite pelle et venir exporter. Je ne veux pas dire le mot curé, hein, parce qu'il nous fait tous peur quand on est gestionnaire de cours d'eau, mais c'est quand même un petit peu ça. On est venu exporter ce matériau à cet endroit-là. Mais surtout, on a corrigé le problème. On a viré ce déflecteur qui était mal conçu. Et depuis, ça se comporte mieux. Et puis, sur la fin de votre question, c'est un peu ce que je disais. C'est on est sur nous une arène granitique, donc une matrice, je le disais, un peu fine. Et tout ce génie végétal se comporte comme un formidable piège à sédiments, évidemment. Et si je n'avais pas l'enjeu hydraulique, je trouverais ça assez chouette parce que du coup, très vite, finalement, on ne voit même plus les pieux de fascine, les banquettes s'engraissent, il y a des petites marges d'érosion qui se font au fur et à mesure de ces crues. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, ça nous pose souci au niveau hydraulique. Donc nous, on est monté en compétence au syndicat pour maîtriser en interne la modélisation hydraulique. Donc on s'est formé à ça. Au départ, c'était nos bureaux d'études, donc on dépendait à chaque fois de nos bureaux d'études pour refaire tourner les modèles. Et maintenant, on passe avec la casquette plus gestion, où on fait nos levées topo au profil régulier de ces sites et on remodélise assez finement pour voir où on se situe. Et par exemple, le site d'Oulin qui a été réceptionné en 2015, là, on est 6 ans après et on va devoir intervenir. Vous voyez, hein, le retour de manivelle, c'est quand même 5-6 ans parce qu'on se rend compte qu'on a trop engraissé nos banquettes et on n'est plus à l'objectif hydraulique initial. Donc, ce n'est pas tant le problème de la végétation, parce que ça, on sait la rabattre. C'est effectivement le problème du piège sédimentaire. Donc là, on va se scarifier. On va aussi y aller par étapes. Hein. Il y a un peu d'humidité à ça. Notre plan de gestion n'est pas encore maîtrisé. On va essayer dans un premier temps de rouvrir un peu des bancs, mais sans tout exporter massivement, voir si ça suffit. Et puis, si ça ne suffit pas, on s'autorisera d'exporter de manière un peu plus interventionniste. Donc, on est encore dans ce calage-là et c'est effectivement tout l'enjeu de ce genre de projet en zone avec un objectif hydraulique. Quoi. Merci. Du coup, ça me permet de poser ma deuxième question que je n'avais pas posée sur le chat. C'est, à un moment donné, vous avez parlé d'un tri granulométrique sur les profils en travers, en partant évidemment du fond du lit vers les berges. Ce tri granulométrique que vous avez mis en place, donc avec la reconstruction de manteau alluvial, il s'est basé sur quoi? Comment vous avez réalisé en fait ce tri granulométrique depuis le chenal central vers les berges? Alors en fait, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est le cours d'eau. C'est-à-dire que je reviens à notre thèse qui démontrait qu'il y avait là, à ce moment-là, à cet endroit-là, on se rapproche de la confluence avec le Rhône, donc on est sur une matrice quaternaire alluvionnaire et c'est du gros galet. Donc nous n'avons que ramené du galet, du gros galet de cours d'eau. Et on n'a pas cherché à faire un tri particulier parce qu'on savait qu'il y avait un transport solide plutôt fin qui arrivait de l'amont. Et en fait, c'est vraiment le cours d'eau qui, entre les déflecteurs qu'on a pu faire et les bancs de gros galets un petit peu érodables, qui est venu remanier un petit peu tout ça. Il y a une puissance spécifique qui fait qu'elle est capable, cette rivière, de transporter les galets sur quelques mètres, on va dire, sur des crues morphogènes. Et en fait, le tri sur la fraction granulo, c'est vraiment fait par les apports transport solide naturel amont sur la matrice plus fine. Merci beaucoup de ces précisions. Merci. Alors je vais regrouper deux questions vu qu'on est en train un peu de dépasser le timing. Toujours sur le sujet là, du transport solide, il y avait Muriel
Papiernik qui demande si le transport est assez important pour avoir des dépôts aussi sur les cheminements piétons des Risbernes, qui amènerait aussi du coup j'imagine, des travaux d'entretien conséquents. Et une question aussi de Clara Ferrari sur la gestion de la renouée par criblage concassage sur l'efficacité. Est-ce que ça a été efficace à 100% ou est-ce que vous avez dû et continuer à intervenir sur ces espèces exotiques? Ouais. Alors le sédiment, non, pour l'instant, ça ne vient pas sur les cheminements. Par contre, ce qui vient sur les cheminements, et c'est quand même la conséquence de l'engravement du lit principal, c'est les dépôts d'embâcle, hein, donc de petits branchages ou autres. Donc nous, on intervient, alors on a des conventions de gestion avec les associations naturalistes à qui on confie les suivis milieux de ce site-là, qui nous demandent de ne pas évacuer ces amas-là. Et donc, quand on dégage juste le cheminement, on les laisse en berge, ça fait des hibernaculums et des habitats pour d'autres faunes. Pour l'instant, donc, le sédiment, non, on ne vient pas sur le chemin. On a plus été contraint à reprendre le cheminement qui avait été arraché un petit peu par des petits coups d'eau. Donc là, c'était une question, c'est un mélange terre-pierre, c'est purement technique, mais on a mis du temps à trouver la bonne matrice et le bon compactage de ce mélange pour qu'il résiste aux petits coups d'eau. Donc on est plus à le recharger qu'à l'évacuer. Et ceci dit, il y a quand même du sable qui se dépose sur un certain linéaire à Oulin. Et par contre, c'est tellement fréquenté que très vite, le sable est piétiné et vient se réintégrer. Et c'est lui qui finalement assure la couche de surface. C'est le sable apporté naturellement plus le cheminement qui assure le réglage de la couche de surface de ce terrain, de ce chemin qu'on veut rustique. Et sur la question de la renouée, donc ça a été quelque chose qui a été mis en place effectivement avec des planches d'essai. Hein. Au départ, on avait des essais de reprise sur le cribla, le refus de criblage, etc. On s'est rendu compte qu'on avait, en tout cas en labo, quasiment 99% d'élimination des rhizomes. Et par rapport, donc ça c'était un premier point pour réinjecter les terres décontaminées. Alors soit en remblai, mais on n'est pas à l'équilibre, hein, vous l'aurez compris, mais soit de l'évacuer en décharge classique pour réutilisation ultérieure. Donc au moins il y avait un vrai recyclage et on contribue à ça. Par contre, quand on n'a pas pu tout purger, effectivement, où il y a encore des apports, parce que malheureusement on a fait, c'est la logique hydraulique, les travaux de l'aval vers l'amont. Donc, le site d'Oulin, il a été pollué par des rhizomes de renouée quand on a fait les travaux en amont de 2 ans après. Donc, dans ce cas, il y a eu quelques reprises assez sporadiques. Et depuis 6 ans, on est capable de les gérer uniquement avec la brigade de rivière et un arrachage manuel. Et c'est vrai qu'il y a maintenant il y a une concurrence qui s'est installée. Et on a, alors, tous les ans, on a quelques petits pieds qui repartent. Mais si tous les sites étaient aussi simples à gérer au niveau renoué, on serait content. C'est vraiment, là, ça a été 100% efficace pour nous dans l'état d'esprit. En tout cas, ce n'est pas une contrainte de gestion maintenant. D'accord, merci. Ensuite, on a une dernière question de Grégoire Thévenet qui demande des précisions sur ce que tu entends par le suivi physique. Grégoire, si tu veux peut-être préciser à l'oral ta question. Oui, non, c'était juste tout à l'heure. Stéphane, tu parlais de suivi biologique, suivi physique, puis aussi l'indicateur suivi humain également. Ouais. Est-ce que sur ces différents suivis, tu peux préciser un peu, est-ce que vous avez tout fait en interne? Est-ce que, enfin, voilà, je voulais un peu plus de précision là-dessus. Merci. Alors, non, on ne fait pas en interne. Le suivi physique et biologique, en fait, c'est un site de référence, c'est un site de démonstration agence OFB, ce site-là. Donc on en bénéficie à ce titre-là. Nous-mêmes, on a un complément avec une convention fédé de pêche pour suivre un peu l'évolution de ce milieu. Donc, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect strictement milieu aquatique. Ça, on va basculer dans le giron OFB agence pour les sites de démonstration qui font donc les paramètres classiques de la faune, enfin des indicateurs du milieu aquatique. Et sur le suivi physique, c'est soit des carices qui sont faits par l'OFB, soit une adaptation un petit peu d'un indice d'attractivité morphodynamique, les IAM, par la fédé de pêche. Et aujourd'hui, en fait, on est très très bon sur le papier, avec nos indices habitat sont plutôt bons, mais vu que ça fait 58 qu'on n'a pas d'eau 6 mois de l'année, évidemment les indices biologiques sont en souffrent, mais c'est quand même un artefact dans la lecture. C'est un peu tôt pour conclure et c'est un peu frustrant parce qu'effectivement on n'arrive pas encore aujourd'hui
à conclure, on est rattrapé en fait par le changement climatique et qui est un paramètre qui va s'imposer à nous parce que peut-être que finalement notre restauration ne marchera jamais du fait de ce réchauffement qui ne permettra pas l'accueil. Alors on y travaille par ailleurs, je n'ai pas le temps de développer, on a un PGRE, etc. Mais bon, voilà, c'est des leviers d'action un peu plus indirects. Et puis sur le suivi social, c'est plus, là encore, c'est des projets de recherche, on en bénéficie. C'est l'UMR 5600 là, du CNRS qui fait des suivis un petit peu de la perception sociale, notamment qui avait fait tout l'état initial. On attend des financements pour qu'ils puissent engager l'état après aménagement. Mais non, ce n'est pas nous directement, on est partenaire. Quoi. Et puis juste, alors pardon, je sais que l'heure est, mais je termine juste. On a aussi des suivis milieux confiés à des associations naturalistes, donc là, entomofaune, etc., qui sont plus, au départ, on les a vus comme une contrainte, parce que c'était nos obligations des arrêtés d'autorisation espèces protégées, qui nous imposaient ces suivis d'évolution de milieu. Maintenant, on est sorti des obligations de ces arrêtés, et évidemment, on continue de faire ces suivis-là, parce que ça nous intéresse dans une logique d'observatoire. Mais là encore, c'est facile à dire aujourd'hui. Au départ, très honnêtement, on n'était pas focus là-dessus. Mais dans le retour d'expérience, c'est quelque chose que je conseille vraiment de ne pas négliger, quoi. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions, donc je vais laisser la parole à Evelyne pour conclure. Merci. Bah, écoutez, c'est la fin de cette deuxième session. Il ne me reste plus qu'à remercier vraiment chaleureusement les deux intervenants, Stéphane et Thierry, pour le partage d'expériences qu'ils nous ont fait. Je remercie aussi les deux agences de l'eau, Loire-Bretagne et RMC, qui financent cet événement. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, donc c'est mardi après-midi, cette fois à 14h. Pour retrouver nos prochains intervenants. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.